Bonjour, bienvenue, et puis heureux de vous accueillir. Voilà, la première fois dans ce lieu d'Alsace. Simplement aussi pour partager avec vous ce qu'a été, dans un premier temps, puisqu'il y a deux parties dans cette présentation, cette conférence. La première partie va être un certain nombre de textes de personnes qui ont déjà écrit, qui sont pour la plupart contemporains, et qui ont vécu, compris, intégré des états de conscience particulier. Et donc c'est pour rappeler tout le rapport de l'origine, de l'oubli, parce qu'on est tous et toutes des âmes incorporées dans cette réalité, même s'il existe des multidimensionnalités, mais la réalité c'est quand même ici. Et ce que nous vivons, chacun d'entre nous, est issu directement de nos antériorités vécues, et l'ensemble des schémas comportementaux ou des inductions précises de ce que nous avons déjà vécu et expérimenté, se retrouve dans nos corps d'énergie, mais aussi dans l'ADN, dans les cellules, parce qu'on est, partie intégrante du tout. Le temps n'existant pas, nous revenons ici, soit dans des corps féminins ou masculins, en fonction de ce que nous avons à expérimenter. Quant au choix de l'incarnation, j'en parlerai tout à l'heure. Voilà. Donc, la deuxième partie sera un peu plus particulière, puisqu'il y aura un certain nombre de vidéos pour rappeler ce retour à la conscience à travers différentes expressions. L'âme est beaucoup plus compliquée et inaccessible que le corps. Elle est, pourrait-on dire, cette moitié du monde qui n'existe que dans la mesure où l'on en prend conscience. C'est Gustav Jung qui a écrit ça dans son rapport de vie. Et donc, le rapport à l'oubli. Le rapport à l'oubli, c'est les origines. Et donc, les origines, qui d'entre nous, aujourd'hui dans la salle, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut lever la main, qui se souvient ou qui a eu accès à certaines de ces antériorités vécues, soit par des rêves initiatiques qui ont été transmis, soit par un vécu conscient, soit clairaudient, soit clairvoyant. Qui a déjà accédé à... Vous pouvez lever la main plus haut. Donc 2, 3, 4, 5, 5. Très bien. Donc, 5 âmes qui ont un accès, soit direct, soit semi-direct, par moment, soit direct, constant, stable, parce qu'il y a aussi un rapport de stabilité dans le canal qui n'est pas une ouverture, qui est juste un accueil. Il n'y a pas d'ouverture, il y a juste l'accueil. De la transmission, et c'est tout. Et donc, le partage en conscience est aussi dans un rapport d'humilité. Ça, c'est essentiel, parce que le partage ne se vit que dans un rapport d'humilité. C'est de la vidéo qui va être faite aujourd'hui, on a mis les possibilités de le réaliser, mais c'est pour que ce soit sur YouTube et que ça puisse être diffusé, et pour qu'un maximum d'âmes puissent entendre. Et c'est un partage, c'est un échange. Donc, les origines ou l'oubli. On commence par ce petit mot qui est fondamentalement, nous sommes le créateur s'expérimentant lui-même à travers sa création. C'est la différence entre le choix, la décision et le libre arbitre. Le choix et la décision sont duels. Pourquoi ? Choisissez. C'est ça ou ça ? Donc, de ce fait, c'est égal conséquence, avec un S. Hein. Et ça, c'est pour tout. Le libre arbitre, c'est l'instant où on est revenu dans l'accueil, ici. Et là, on sent. C'est le rapport au senti, pas au ressenti. C'est parce que ce que l'on sent est juste. Si on n'accompagne pas le rapport du senti, et qu'on passe là et là, c'est fini, parce qu'on a oublié qu'on était là. Donc, le texte d'Hervé Bijaoui commence... En tant qu'essence divine et extension de la source une, nous faisons l'expérience de la création et de l'existence sous toutes ses formes. Des plans de lumière pure, les plus proches du cœur l'un, qu'on appelle les plans divins, et qui sont au-delà même de la forme jusqu'au plan d'incarnation les plus denses, comme la troisième dimension dans laquelle nous évoluons comme êtres humains sur Terre. Bien avant d'être sur Terre, nous étions donc en tant qu'essence dans des plans unifiés où l'être, bien que expérimentant lui-même comme un élément à part entière du tout,
se vit dans l'unité totale avec le Créateur et toute la création. Nous participions par la créativité à l'expansion des univers, et c'est précis, des galaxies, des mondes avec l'énergie amour-lumière de la source universelle. Au cours de l'évolution et de l'expansion de notre univers, il fut pris la décision collective d'expérimenter l'illusion de la séparation. Je pense qu'on peut tous témoigner ici de ce qu'a été l'illusion de la séparation, ou de ce que peut être encore cette illusion de la séparation. Lorsqu'on en est dans le mental, qu'on est dans un rapport de projection, littéralement, on est dissocié, parce qu'on est en extérieur systématiquement. Et donc, toute frustration, tout jugement, toute peur vient de la projection, au lieu de rester simplement ici. Nous sommes donc descendus dans des plans vibratoires de plus en plus denses, et plus nous descendions dans la condensation de la lumière, plus nous commencions à perdre cette conscience de l'unité, nous permettant ainsi de faire l'expérience de l'individualité et de la dualité dans des corps de matière dense. C'est au cours de cette descente dans la matière que nous avons progressivement perdu la mémoire de qui nous étions, des étincelles de conscience divine, extension de la source, une de tout ce qui est, immortel, infini et illimité, au-delà du temps, de l'espace et de la forme. Dans ce grand plan divin d'expérimentation de la dualité, certains eurent la fonction de créer, d'engendrer et de générer cette illusion de séparation. Alors, petit commentaire. Nous avons tous vécu, sans exception, des vies où c'est l'ego qui a pris le pas et qui nous a complètement dissociés de la réalité de conscience de l'unification. Alors c'est quoi la dissociation ? Vie de pouvoir, vie de guerre, manipulation, ego spirituel, la liste est infinie. À chaque fois que nous nous dissocions dans l'instant T, nous nous séparons, littéralement. Donc, tout rapport de projection est un rapport à une ouverture qui est extérieure. Tout est là. Tout est là. Si nous restons dans le senti, pour les personnes qui méditent et qui ont l'habitude de réaliser des méditations, vous êtes en capacité de senti. Si vous quittez le senti, vous vous déplacez. La suite. C'est à ce moment-là que s'est créé un grand schisme dans notre univers entre les familles de la lumière manifestée et de la lumière sombre. Et que débuta les premières expériences de peur et de souffrance dues à la croyance d'être séparés de la source. Une qui est pure énergie, conscience d'amour et de lumière, cela engendra l'expérimentation d'un nouveau spectre vibratoire émotionnel. Il en résulta de nombreuses expériences à travers de longs cycles d'incarnation dans les étoiles qui ont parfois causé de nombreuses mémoires de non-amour. Qu'est-ce que le rapport de la lumière sombre ? La lumière sombre, c'est la lumière incréée. Je veux, il faut, je dois, mon, ma, mais. La possessivité et les donneurs d'ordre. Et on a tous été éduqués avec ces mots. Je souhaite, j'aimerais, serait-il possible que pourrions-nous envisager que... La communication est une invitation, c'est aussi le sujet de la conférence. On repart de la base, la communication. Qu'est-ce que la communication ? La communication, c'est je vous invite à, vous avez été invité à venir, vous êtes venu. Vous avez donc pris votre responsabilité. Ne sachant pas forcément à quoi vous attendre, ni pourquoi, ni comment, mais peu importe. La surprise est la plus grande des pédagogues. Donc restons surpris. Ainsi, il y a eu de grandes guerres, conflits et destructions dans l'univers et les galaxies. Les êtres ayant perdu la conscience de l'unité existante en toute chose se livrèrent à des luttes de pouvoir, de domination et de survie. Au cours de ces épisodes, les êtres de l'ombre, si éloignés de leur propre lumière, incarnèrent avec tant de profondeur leur rôle éphémère de catalysateur de la dualité. Ça s'appelle l'identification, marquée. Hein. Je suis un soldat. Je suis né pour aller sur le champ de bataille. C'est une identification. Et elle est marquée. C'est la séparation de conscience totale. Leur rôle éphémère de catalyseur de dualité, qu'ils se perdirent dans le jeu de l'oubli, dans leur propre rêve de pouvoir, temporel et illusoire,
si bien qu'ils outrepassèrent leur fonction, refusant de retourner dans la conscience unifiée amour-lumière, qu'on appelle également la conscience christique. Ainsi, pour permettre à ces êtres de retrouver la lumière et à notre univers tout entier de se réunifier et d'ascensionner, même si l'ascension est plutôt une forme d'expansion, plus précisément, parce que le rapport ascensionnel, c'est une prise de conscience qui peut être un instantané. Par contre, la véritable conscience n'est qu'une extension. Einstein disait très clairement, l'univers est sphérique et en expansion. On ne peut pas être plus clair que ça. Ainsi, pour permettre à ces êtres de retrouver la lumière, à notre univers tout entier de se réunifier, de s'ascensionner, et décidèrent de créer une planète expérimentale contenant des semences provenant de l'univers tout entier. Une planète qui permettrait d'unifier les familles de la lumière manifestée et de la lumière sombre à la planète Terre. Donc, comme je le précisais préalablement, la lumière incréée, c'est l'ego. Ce n'est que de l'énergie. Tout acte inconscient est de la lumière incréée. La vibration que vous émettez dans l'instant T va directement dans l'astral. Qu'est-ce qui se passe dans l'astral? Ça vous est renvoyé par 2, par 3, par 10. Jusqu'à ce que vous arrêtiez le mécanisme de séparation. Si vous êtes en présence, vous allez directement dans les premiers niveaux du haut astral. Et là, vous êtes relié. Il n'y a plus de renvoi. Vous êtes. Tout simplement. Donc, arrêtez le mental. C'est pas simple. C'est pas facile. Il y a des milliers de techniques qui peuvent exister depuis des millénaires. Mais c'est toujours pas simple. Parce qu'on n'a pas compris qu'on est juste une âme incorporée qui expérimente dans une temporalité très précise, quelques décennies. Et que dans ce temps d'expérimentation, il est possible de retrouver un état d'unification. Mais ce n'est pas une volonté. Hein. J'ai eu beaucoup d'âmes qui sont venues en séance, ou qui sont venues me voir, m'ont souvent dit « J'ai réalisé un travail spirituel pendant 10 ans. » Je dis « Ça a dû être très dur. Pourquoi ?» Le mot « travail » en latin, « trépalium », »,« trépanation », »,« torture », le retour à l'être, c'est l'œuvre de conscience. Vous êtes tous en capacité de créer, sans exception. Tout dépend de votre sensitivité, et pas sensibilité, à percevoir cet état de création continu, constant, invariable, immuable. Restez présent dans l'instant. Si le mental envoie systématiquement des centaines, voire des milliers d'images dans la journée, ce sont des dissociations, des vibrations, l'astral renvoie, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on ne s'en sort pas. La Terre et l'être humain furent créés dans le cadre de cette expérience de la dualité, de l'illusion, de la séparation, et ce, afin de créer une cellule de réunification de l'univers. L'être humain, en tant que race, porte en lui l'ADN des familles de lumière et de l'ombre. Après avoir fait l'expérience de la séparation à un niveau des plus extrêmes, il peut, de par sa nature christique, originelle, par non éclairée, ainsi transmuter l'ombre en lumière pour ascensionner, retrouver son unité et sa nature divine originelle. Ainsi, l'être humain, par la loi de résonance et les liens quantiques qui lient son ADN à certaines lignées galactiques de l'ombre, devient alors une clé vivante de résolution pour ces êtres encore englués dans la réalité. Je ne vais pas vous parler des niveaux galactiques aujourd'hui, parce que là, on y passerait la journée. Mais c'est la restitution de conscience qui permet d'agir en conscience. L'action consciente, c'est juste « je sens, je crée ». Je ne me pose aucune question. C'est le principe même de cette conférence. J'ai reçu un mail, c'est arrivé, merci Monique. Et ça s'est mis en place. Nous avons agi en conscience pour que cela puisse être. Nous n'avons pas fait les choses. On a réalisé l'œuvre de co-création. Et l'œuvre de co-création, c'est un dépassement de nos habitudes. Je vais finir ce texte
Il est donc important aujourd'hui de conscientiser à quel point notre expérience sur le microcosme, qu'est la planète Terre, est importante pour le macrocosme, qui est l'univers. Nous avons collectivement tous choisi de vivre cette expérience difficile, et ce par amour, car nous savions quel était l'enjeu. Nous sommes en quelque sorte un commando de lumière en mission spéciale, même si le mot mission, on peut en parler longtemps, puisque il n'y a pas de mission. Je sais que ça peut éventuellement choquer un certain nombre d'entre vous, mais il n'y a pas de mission. Il n'y a que la conscience que vous pouvez matérialiser. C'est tout. Donc après que vous communiquiez, que vous partagiez avec une personne ou un million, ça dépend de l'expansion de la communication que vous posez dans la matière. Donc c'est bien un rapport de responsabilité. Et il n'y a pas de mission. Même les êtres de très haut rang vibratoire, qui ont des signatures vibratoires de niveau stellaire, quand ils viennent dans une galaxie, sur une autre planète, ou quand ils viennent sur Terre, ils ne sont pas missionnés. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils prennent leurs responsabilités. C'est pas pareil. Il n'y a pas de mission. Au final, toutes ces expériences, aussi difficiles ont-elles pu paraître pour certaines émanations de notre être, nos vies simultanées, dites antérieures, sont une grande richesse pour l'âme, le soi et la source universelle, le but suprême ayant toujours été de créer et d'expérimenter. L'amour sous toute forme, aimer l'autre qui semble si différent, pardonner à l'ennemi, on parlera du pardon tout à l'heure, celui qui nous a fait du mal, sont autant d'expériences et d'expressions infiniment riches et puissantes de l'amour qui ne pouvaient être faites que dans le cadre de la dualité et l'illusion de la séparation. Au niveau cosmique, cela permet à la conscience universelle de grandir et s'expanser toujours plus dans l'infini des possibilités existantes en l'un. C'est uniquement par amour que nous avons choisi cette expérience, même si parfois certaines âmes ont refusé. J'ai eu des témoignages, des annales akashiques très particuliers à ce sujet. Des âmes, on va parler en temps terrestre. Certaines âmes ont refusé jusqu'à 4 fois l'incarnation. À la 5e, on a dit, bon, il est temps, là. Donc le refus des âmes est courant de redescendre, parce que redescendre en incarnation, quand on a déjà expérimenté 500, 600, 700 vies, ou 800 vies, ou 900 ou plus, on n'a pas forcément envie de redescendre. C'est uniquement par amour que nous avons choisi cette expérience, qui certes peut paraître quelque peu extrême pour l'être incarné, mais qui, pour le soi, l'étincelle divine que nous sommes et n'avons jamais cessé d'être, n'est pas différente d'un film de cinéma. Tous les personnages que nous avons incarnés et joués ne sont que des projections du soi à travers la diversité des espaces-temps. Ainsi, à l'image de l'acteur ou du spectateur qui, après avoir joué ou regardé un film et expérimenté diverses émotions, joie, rire, peur, tristesse, colère, etc., se désidentifie et revient à lui une fois le film terminé. Nous sommes à la fois des scénaristes, des metteurs en scène, des acteurs et spectateurs de nos expériences de vie, mais tout cela ne reste qu'un jeu, le grand jeu de la création. Alors, est-ce que ça reste le grand jeu de la création ou est-ce que ça reste le jeu de la construction ? Quelle est la différence entre la construction et la création ? La construction, elle est mentale. J'imagine que demain, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais être avec un tel, une telle, je vais réaliser ceci. C'est une construction. Pourquoi c'est une construction ? Parce que ce n'est pas vécu. C'est juste l'imagination qui envoie encore dans l'astral un certain nombre de projections. Alors que le rapport de la création, c'est l'instant T. Vous agissez en conscience, vous réalisez ce que vous avez à réaliser, y compris dans votre quotidien. Il n'y a pas de question à se poser, il y a juste à agir. La passivité, c'est là où l'âme se perd. Parce que la passivité fait que, on ne parle pas de procrastination, on peut aussi se relaxer, il n'y a pas de problème. Mais être dans la passivité, là, ça induit que vous n'avez pas envie, non pas d'avancer, parce qu'on n'avance pas, on est, on n'avance pas. On s'expanse, mais on ne peut pas avancer. Ça signifie que vous ne voulez plus, vous n'avez plus envie, vous êtes fatigué. C'est de là où viennent toutes les dépressions. Je ne vais pas vous faire un cours sur les maladies somatiques en fonction de la psyché,
Je pense que vous avez déjà eu tous des expérimentations à ce sujet, à chaque fois que le corps vous fait un signe particulier. C'est parce que vous n'avez pas compris. Donc le corps est le dernier rempart de la conscience. Il est là simplement pour vous signifier, est-ce que tu es en capacité d'entendre là ? Les cellules sont en train de mourir. Parce que tu es dissocié. Tu es dans une telle volonté de réaliser des choses que tu oublies l'instant présent. Et l'instant présent n'est pas une valeur. Elle est l'unité. Donc, puissiez-vous vous rappeler le but lumineux de votre présence ici-bas sur Terre ? Puissiez-vous vous rappeler la lumière originelle, celle d'où vous venez, et que vous êtes de toute éternité, de cœur à cœur, d'âme à âme ? Donc, avant de passer à la suite, j'aimerais partager avec vous une petite chose. Prenez l'index de votre main gauche. Dessinez un cercle dans la main droite. Ce cercle, et la main droite, vous la posez sur le thymus. Hein. Sentez juste le cercle ici au niveau du thymus, un petit peu plus haut. Là, ici, voilà. Cette main droite qui est le bras droit, hein, la raison. J'ai raison. Prenez la main du cœur, posez-la sur la raison. On va respirer ensemble 3-4 fois. On inspire, c'est la cage thoracique qui prend. Encore une fois. Donc maintenant, exprimez juste en un mot, qu'est-ce que vous sentez là ? Voilà. 15 secondes. Pourquoi ? Le thymus, l'immortel, l'atome source. 15 secondes. Hein. On se réunifie en 15 secondes par simplement posant la main droite de la raison, la main du cœur sur la raison, sur le thymus, et reprenant la colonne d'air. Hein. Et là, d'un seul coup, on sent. On n'est plus dans le ressenti. J'exposerai les valeurs du ressenti et du senti après. Donc ce geste, vous pouvez le répéter autant de fois que nécessaire. À chaque fois que vous vous sentez un petit peu perturbé, dissocié par l'ensemble des modalités, des variables, des potentiels de l'existence, qui font quoi qu'il advienne tous partie de la réalité. Mais ce ne sont que des variables et des potentiels. Après, ils se matérialisent ou pas. Mais ça dépend de l'action consciente que vous allez poser dans la matérialisation. Et ça appartient, une fois de plus, à la responsabilité personnelle, individuelle, mais surtout la responsabilité individuée et à la responsabilité universelle. J'en parlerai tout à l'heure, plus en détail. La deuxième série de textes qui est proposée vient de Max Endel, qui était un être archangélique de haut niveau. Et il a écrit un certain nombre de choses. Même si ça a été écrit à une époque avec une forme d'écriture un peu classique, il y a quand même dans ce texte des authenticités indéniables. Dans son état actuel de développement, l'homme est soumis à l'action de deux grandes lois qui le guident sur le chemin de l'évolution, la loi de cause à effet et la loi de réincarnation. Lorsque nous cherchons à résoudre l'énigme de la vie et de la mort, nous commençons par nous interroger sur les inégalités de la condition humaine. Nous nous demandons pourquoi un homme vient au monde dans un milieu aisé tandis qu'un autre est élevé dans un état de pauvreté. Pourquoi un homme jouit d'une santé florissante alors qu'un autre est malade ou infirme. Pourquoi un homme a de la réussite et des occasions de se mettre en valeur alors qu'un autre est poursuivi par la malchance.
Pourquoi une femme est une reine de beauté tandis qu'une autre manque de grâce? Pourquoi un homme a le don de la musique et des mathématiques alors qu'un autre est un simple d'esprit? Il parle bien de la dissociation. Qu'est-ce que la signature vibratoire? C'est l'être conscient que vous êtes. Le Christ dans l'incarnation, alors qu'il est arrivé en quatrième dimension de conscience, hein, il n'est pas arrivé en cinquième, hein, il a cheminé, il a expérimenté, jusqu'à atteindre la 5D+, pas la sixième, parce que le corps ne tient pas. Il vibrait à 1,480,000,000 d'unités dans un corps. Toutes les cellules étaient alignées. Hein. Il n'y en avait pas une qui était dissonante. Donc la signature vibratoire, nous sommes tous ici des signatures vibratoires, sans exception. Chacun vibre ici à un taux vibratoire différent, en fonction du niveau d'expérimentation et de conscience de l'être que vous êtes, tout simplement. À toutes ces questions, ni les matérialistes ni les théologiens n'apportent de réponse satisfaisante. La loi de réincarnation est une solution raisonnable, j'aime infiniment, à toutes les inégalités de la vie lorsque l'on l'associe avec sa compagne, la loi de cause à effet ou loi de conséquence. La loi de conséquence est la loi de justice dans la nature, elle décrète ce que l'homme sème, il le récolte. On est bien là dans un rapport vibratoire d'énergie, tout simplement. Vous envoyez une énergie de pouvoir, de guerre, de... peu importe. Qu'est-ce qui vous revient? La guerre. Vous faites une rencontre, quelqu'un, vous faites un... vous êtes en voiture, vous êtes sur la route, quelqu'un vous fait un... vous passe devant un petit peu, il vous serre un petit peu. Hop, empathie émotionnelle réactionnelle. Espèce de « je vous aime ». Ce que nous sommes, ce que nous avons, toutes nos qualités sont le résultat de notre travail. Donc là, j'enlève le mot « travail », je me permets, Max. Mais je parle d'œuvre de conscience dans le passé. L'absence de certains dons physiques, moraux ou mentaux résulte de notre négligence antérieure ou de notre manque de conscience, plus exactement. Mais si nous cherchons à nous améliorer, les opportunités de la vie nous permettront d'acquérir dans l'avenir, et on va parler au présent, les facultés qui nous manquent aujourd'hui. Mais elles ne nous manquent pas, nous les avons oubliées, ce qui est très différent. Qu'est-ce que ce rapport à l'oubli ? Tant qu'on est dans un rapport où on a une vision limitée de l'existence, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se contente de vivre ce qu'on est en capacité d'assimiler, pas forcément d'intégrer. Et donc, on s'échappe, une fois de plus. On n'arrive pas à rester en présence. La présence, c'est infini, hein? Ce n'est pas parce qu'on nous a limités dans l'incarnation, au niveau de nos organes, hein, parce que bon, voilà, nos yeux voient 10 millions de couleurs. On rajoute les fréquences gamma, les ultraviolets, les infrarouges, toutes les gammes dont sont faits l'univers, dont nous faisons partie intégrante. Et là, d'un seul coup, c'est des milliards de couleurs. Là. Même ce projecteur aujourd'hui, c'est en milliards de couleurs. Et nous n'avons que des yeux pour voir 10 millions de couleurs. Comme quoi, c'est juste l'expansion de la conscience que nous ne sommes pas limités. Nous voyons, nous sentons, nous sommes en capacité de sentir et de rester dans le senti. Et c'est ça qui va redéfinir complètement notre rapport au monde. Mais complètement. En ce qui concerne notre comportement envers les autres, la mort ne liquide pas non plus nos dettes, on ne va pas parler de dette, mais de compensation, que le fait de changer de lieu de résidence n'efface pas notre passif. La loi de réincarnation nous procurera dans la vie suivante un nouveau milieu, mais nous y retrouverons d'anciens amis, d'anciens ennemis. Là, on parle des niveaux de conscience de famille. Il y a des niveaux où il peut y avoir des centaines de millions d'âmes parce qu'elles vivent dans le même niveau de signature vibratoire. Il y a des centaines de plans de fréquences où il y a des âmes qui sont peu, d'autres il y a 1 million, d'autres 100 000. Ça correspond à votre signature vibratoire. Pourquoi est-ce que dans cette existence, vous dites oh, on se rassemble? Mais on ne se rassemble pas parce qu'on s'apprécie. C'est parce que notre taux vibratoire fait que ça match.
Et on ne parle pas de compensation karmique entre deux âmes qui se rencontrent, hein, masculin-féminin, ou peu importe, ou masculin-masculin. Là, ce sont des résonances directes. Et après, comment vous vivez ça? À chaque fois, vous dites, mais, je connais cette personne, je la connais. Je ne sais pas pourquoi, mais je la connais. Ben oui, parce que l'âme que vous êtes l'a connue. Le temps n'existe pas. Vous retrouvez donc la résonance très précise de cette âme que vous avez déjà rencontrée. Mais dans quelles conditions vous l'avez rencontrée? Vous l'avez rencontrée dans une condition de vie de pouvoir, supposons. Une vie de pouvoir, vous avez mis une âme dans le rapport de l'obéissance, c'est-à-dire de la soumission à l'abandon de l'être. On va faire simple. Quand elle revient dans cette incarnation et que vous êtes revenu dans un corps féminin, comment vous allez l'accueillir? C'est compliqué, là. Hein, parce que vous avez soumis une âme à votre volonté. Donc comment, dans un corps féminin, alors que lui, dans un corps masculin, vous le rencontrez, comment vous l'accueillez? Mais c'est très compliqué. Parce qu'il y a des schémas comportementaux induits à cette rencontre antérieure, puisque le temps n'existe pas, qui se remettent en fonction, en marche, mais immédiatement, à l'instant T où vous rencontrez l'être. Ce n'est pas le karma, là. Ça s'appelle la compensation de résonance karmique, tout simplement. En réalité, l'homme est un esprit immortel. Le corps physique n'est qu'un instrument, un véhicule dont il se sert pour acquérir de l'expérience et développer ses pouvoirs divins. L'esprit seul est vivant. Et lorsqu'il abandonne son corps minéral au moment de la mort, ce dernier commence aussitôt à se décomposer. Le corps physique n'est pas non plus l'unique véhicule de l'homme. L'esprit possède aussi d'autres corps, plus subtils, qui lui permettent de se manifester dans des mondes supérieurs entre deux incarnations. Ces mondes supérieurs sont invisibles aux yeux physiques, mais ils sont néanmoins très réels, et de plus, ils sont la cause de tout ce qui existe dans notre monde matériel. Nous allons maintenant étudier les différents véhicules de l'homme et suivre ce dernier dans les mondes invisibles entre deux incarnations. La substance de chacun de ces mondes est soumise à des lois particulières. Par exemple, dans le monde du désir, il n'y a ni chaud ni froid, et le temps et la distance n'existent pratiquement pas. Les différents mondes ne sont pas situés les uns au-dessus des autres, mais ils s'interpénètrent. On pourrait parler longtemps sur les infusions entre les plans de conscience. C'est infini, ce n'est pas fixe, ce n'est pas figé, ça peut bouger à tout instant. Même les plans de conscience, en termes de permissivité, font que ça peut complètement changer du jour au lendemain. Parce qu'on va permettre à des âmes d'un certain niveau de passer à un autre niveau. Voilà. Il y a des lois fixes dans l'univers, hein. Ça c'est certain. Mais il y a quand même encore énormément de possibilités de variables, et ils sont infinis, et de potentiels. Les différents mondes ne sont pas situés les uns au-dessus des autres, mais ils s'interpénètrent. Chacun d'eux étant entièrement contenu dans le monde qui lui est supérieur, le monde physique est le plus dense de tous, et ce, en conséquence, il occupe moins d'espace que les autres. Notre évolution actuelle se déroule dans les trois mondes inférieurs, le monde physique, le monde du désir et le monde de la pensée. Nous nous limiterons par conséquent à l'étude de ces trois mondes. Le monde physique, région chimique et région éthérique, comprend sept divisions qui correspondent à sept états de densité de la matière. On parle bien des corps d'énergie. Ce sont les solides, les liquides et les gaz qui constituent la région chimique connue de tous. C'est les quatre éthers qui forment la région éthérique. Les quatre éthers se nomment éther chimique, éther vital, éther lumière et éther réflecteur. C'est grâce à l'éther que l'esprit vitalise les formes, construit avec la matière de la région chimique. On parle encore de l'énergie. Qu'est-ce que l'éther? L'éther, c'est l'origine de tout. Ça signifie que nous sommes participation absolue à tout, à tout instant, en tout temps, à chaque seconde de nos existences. Nous échangeons des fluides, des énergies, plus ou moins variables, constamment, du lever au coucher et même la nuit.
L'éther chimique est le canal d'expression des forces qui assurent l'assimilation, la croissance et le maintien de la forme. Il est actif dans les règnes végétal, animal et humain. Chez les minéraux, il intervient dans la formation des cristaux. Il détermine leurs différentes propriétés chimiques. L'éther vital est le champ d'action des forces qui travaillent à la reproduction des formes, c'est-à-dire qui assurent le maintien de l'espèce ou de la race, entre guillemets. Il est donc actif dans le végétal, l'animal et l'homme. L'éther lumière est le milieu de manifestation des forces qui produisent la chaleur, le mouvement et la circulation du champ chez l'animal et l'homme, ou la circulation de la sève chez les plantes. Cet éther régit également les organes des sens et il est la cause des diverses colorations que l'on trouve dans la nature. Il est partiellement actif chez le végétal et pleinement actif chez l'animal et l'homme. L'éther réflecteur enregistre tous les événements. Nous avons donc tous un disque dur quantique et tout est enregistré. Et quand je dis tout, c'est tout. Donc, si on vit 500, 600, 700 incarnations, peu importe, et que tout est enregistré, ça veut dire qu'on est en contact avec ce flux d'informations, puisqu'il n'y a aucune séparation. Ça veut dire que nos corps énergétiques, en présence, on est le flux constant de ce niveau informationnel. Il n'y a aucune forme de séparation, aucune. Mais cette mémoire n'est que le reflet de la véritable mémoire de la nature, et on va venir justement à la mémoire de la nature, ce sont les annales akashiques, qui se trouvent dans le monde de la pensée. C'est également par l'intermédiaire de l'éther réflecteur que l'esprit agit sur le cerveau et contrôle le corps physique. Récapitulons brièvement les principales fonctions des éthers. L'éther chimique entretient la vie et la croissance de la forme. L'éther vital assure la reproduction. L'éther lumière rend possible le mouvement et la perception. L'éther réflecteur enregistre les expériences de l'homme et permet à l'esprit d'agir sur le cerveau et le système nerveux. Le monde du désir est le monde suivant. C'est un monde de lumière et de couleurs. Sa substance est constamment en mouvement. Elle peut prendre avec facilité toutes les formes possibles et inimaginables. Dans ce monde, les énergies de l'homme et des animaux se mêlent à celles de nombreuses hiérarchies d'êtres spirituels. Spirituels d'êtres d'énergie, qui ne paraissent pas dans le monde physique. Les forces émanant de ces légions d'êtres divers moulent la matière toujours changeante du monde du désir en formes variées, dont la stabilité plus ou moins grande est fonction de l'énergie qui leur a donné naissance. Je peux vous donner une anecdote qui est toute personnelle. J'ai, il y a de cela un certain nombre d'années, rencontré une jeune femme hispanique. J'ai senti immédiatement que je l'avais connue dans une vie antérieure et j'ai demandé les informations. Pourquoi on parle justement des forces émanant des légions d'êtres divers moulent la matière toujours changeante du monde du désir? J'étais extrêmement attiré. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi je vivais cette attirance. Lorsqu'ils m'ont transmis la vie que j'avais vécue avec elle, c'était au XVIe siècle, cavalier de l'armée espagnole, tout fringant, qui est allé dans un village et qui est tombé amoureuse, je suis tombé amoureuse, oui, féminin qui parle, qui est tombé amoureux de cette âme en présence. Et nous avons vécu quelques semaines, voire quelques mois, d'un amour passionnel. À la fin de son existence, alors qu'elle a eu un enfant, alors que j'étais reparti sur les champs de bataille, elle a souhaité me revoir en tant qu'âme. Et elle a émis ça vibratoirement. Ce qui fait que dans les annales akashiques, c'est inscrit. Et là, d'un seul coup, ah, on est bouche bée devant les âmes et les êtres que l'on rencontre parce qu'on a émis. On a émis. Oh, tu me manques. Donc pour toutes les personnes qui partent et que vous accompagnez, vous n'aidez pas, vous ne les aidez pas à partir, vous les accompagnez. Ce qui est très différent. Essayez autant que faire se peut de ne pas émettre un état de manque ou de détresse au départ d'une âme dont le temps d'incarnation est clos.
Elle n'est pas loin, ou elle pourra communiquer ou pas. Ça peut attendre 3 mois le temps qu'elle passe à l'hôpital et que ses cordes énergétiques reviennent en présence. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 2 ans, ça dépend du type de maladie. Le temps que l'âme reprenne l'énergie hors corps suffisante pour pouvoir et avoir les autorisations pour transmettre. Toutes les âmes n'ont pas les autorisations de transmettre. Ou sinon, ça passe par un autre niveau qui transmet. Le monde du désir comprend cette région. Comme son nom l'indique, il est le monde des désirs, des souhaits, des sentiments et des émotions. Bref, la destitution de conscience totale. Les passions grossières et les impulsions égoïstes se rencontrent dans les régions les plus basses, tandis que les nobles qualités de l'âme s'expriment dans les régions supérieures. Ce sont nos désirs qui poussent à l'action le corps physique vivifié par les éthers. Parmi les habitants du monde du désir se trouvent les archanges. Les anges, eux, se rencontrent dans l'éther. Le monde de la pensée est le troisième monde qui concerne notre évolution actuelle. Il comprend lui aussi 7 parties, et comme le monde physique, il peut se diviser en 2 régions principales, qui sont la région de la pensée abstraite et de la région pensée concrète. La région de la pensée concrète fournit la substance destinée à revêtir les idées, qui prennent naissance dans la région de la pensée abstraite, et qui, ainsi concrétisées, deviennent ce que l'on appelle des formes pensées. Les formes pensées, les projections. C'est dans la région supérieure du monde de la pensée, la région de la pensée abstraite, que se trouve l'esprit de l'homme, l'ego, le penseur, celui qui dit « je veux, je dois et il faut ». Et à chaque fois que l'homme doit ou qu'il faut que vienne, ben c'est la guerre, c'est-à-dire l'opposition, la dissociation. J'impose parce que je veux. Et je ne suis pas en capacité d'inviter parce que je ne comprends pas ce qu'est le niveau de l'invitation et de l'accueil. L'ego, le penseur, il dirige l'intellect ou le corps mental, composé de la substance de la région, de la pensée concrète. Notre mental agit comme un frein sur les impulsions de la nature émotionnelle et nous dicte parfois des actes contraires à nos sentiments. Grâce à un point de vue plus élevé que nous appelons la raison, comme je vous ai dit tout à l'heure, on pose la raison, puis on met le cœur sur la raison, parce que si la raison reste présente, ce n'est pas encore gagné. Le mental rend l'homme capable de former des pensées concrètes, des formes pensées, de créer ainsi des images qu'il pourra reproduire ensuite à l'aide de la matière du monde physique. À chaque fois qu'il y a une pensée dissociée, il y a une guerre, il y a un pouvoir, c'est continuel. Il ne peut pas y avoir de guerre si on est dans l'invitation, c'est-à-dire dans l'accueil. Parce que le thymus, c'est l'accueil. Tout est là. Poumon, diaphragme, plexus solaire, cœur, tout est là. Tant qu'on ne revient pas ici, on a complètement oublié que tout est possible maintenant et qu'on n'a plus besoin de construire quoi que ce soit pour se rassurer. Qu'est-ce que se rassurer ? Les peurs. J'ai peur de manquer. C'est la basique. Hein. Et il y en a. On en a fait une collection. Alors, en réalité, le monde de la pensée est à l'origine de tout ce qui existe sur notre Terre. C'est en effet dans la région de la pensée concrète que se trouvent les archétypes ou modèles vivants de tout ce que nous pouvons voir ici-bas, qu'il s'agisse des montagnes, des continents, des arbres, des animaux ou de l'homme. Aucun changement n'intervient dans le monde physique avant que les archétypes n'aient été modifiés. Qu'est-ce que sont les archétypes ? C'est l'énergie fondamentale de la création que nous sommes. La création nous a amenés à être et à expérimenter. Parce que le seul souhait de l'univers aujourd'hui, il n'a pas de volonté, l'univers, hein ? Il est. Donc il ne peut pas avoir de volonté. Donc il fait ce qu'il a à faire. Il ne se pose pas de questions. Donc le seul souhait de l'univers, c'est quoi ? Expérimenter. Sentez, vivez, partagez en responsabilité.
On va parler des trois niveaux de responsabilité tout à l'heure. Le monde de la pensée est le monde du son. Tout est son, tout est polarité, tout est vibration. En fait, la forme, la couleur et le son s'expriment tous dans chacun des trois mondes, mais on peut dire que le monde physique est plus particulièrement le monde de la forme précise et stable, le monde du désir, celui de la couleur, et le monde de la pensée, celui du son, céleste, bien sûr. Les archétypes sont en réalité des vibrations sonores qui créent et entretiennent toutes les formes que nous voyons autour de nous. Je vous parlerai dans la deuxième partie de la conférence de la structure fine de l'univers, et vous comprendrez. La mémoire, le sommeil, l'éther réflecteur contient en effet toutes les archives de notre vie. Ces archives constituent ce que l'on appelle la mémoire subconsciente. Notre mémoire ordinaire ou mémoire consciente se forme à partir des perceptions de nos sens, et nous savons qu'elle est imparfaite et fugitive. J'aime beaucoup l'aspect de la fugitivité. Il n'en est pas de même de la mémoire subconsciente, celle-ci se forme au moyen de la respiration. L'éther contenu dans l'air que nous respirons, d'où le fait de respirer en conscience. Parce qu'on réinjecte directement la présence, par l'air, c'est-à-dire la respiration consciente. Notre mémoire ordinaire ou mémoire consciente se forme à partir des perceptions de nos sens. Et nous savons qu'elle est imparfaite et fugitive, il n'en est pas de même de la mémoire subconsciente, celle-ci se forme au moyen de la respiration. L'éther, contenu dans l'air que nous respirons, porte en lui une image détaillée de tout ce qui nous environne, de toutes les scènes qui se déroulent autour de nous et également de ce que nous pensons et éprouvons. Les poumons transmettent ces images au sang, qui est un des produits supérieurs du corps vital, le monde. Et elles sont imprimées sur l'éther réflecteur de ce véhicule. Elles sont également enregistrées sur un atome spécial situé dans le cœur, dont nous parlerons un peu plus loin. Et bien évidemment, on parle de l'atome germe, de l'atome source, qui ne répond qu'à une seule fréquence. Amour. Le Christ, dans sa présence, n'émanait qu'une seule fréquence, celle de l'univers unifié. Appelons-le amour, pour que ce soit un mot audible pour tous. À chaque fois que le Christ, dans le rapport de l'émanation et de la présence, parce qu'on ne parle que de l'émanation d'un être, sa signature vibratoire, eh bien, quand vous êtes en présence d'un être unifié, vous le sentez. Et vous ne pouvez pas penser. Vous le sentez. Pourquoi ? Parce que ça... L'atome germe, l'atome source de l'origine de la création, se remet en marche. C'est la fréquence de l'amour. Et là, vous êtes en extase. Et donc, vous vous mettez à genoux, parce qu'il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de nous, hein, c'est terminé. Hein. Et vous pleurez de joie. Est-ce qu'il y a déjà eu des âmes ici qui ont vécu cette expérience d'être dans un état de présence avec un être qui était dans un rapport d'émanation et d'amour inconditionnel ? 2, 3, 4, 5, 10, 10. Merveilleux. Donc vous avez senti. C'est pas une analyse, hein, le senti. Hein. Ça dépasse toute forme possible de pensée. Sans exception. Il n'y a plus rien. Le cerveau n'est plus là. Les mémoires conscientes et subconscientes se rapportent uniquement à la vie présente. Il existe encore une troisième forme de mémoire appelée superconsciente. Elle est imprimée sur l'esprit vital et elle contient la somme de nos connaissances et de nos facultés acquises dans les vies passées. Ces aptitudes ne se manifestent pas toujours dans nos vies présentes, quoique les influences des schémas comportementaux induits très marqués, parce que quand on a vécu 15 vies de pouvoir, on ne peut pas être autrement que marqué par 15 vies de pouvoir, et en plus, généralement, on a aimé, quoi. Donc, on continue. Elle est imprimée sur l'esprit vital et contient la somme de nos connaissances, de facultés acquises dans les vies passées. Ces aptitudes ne se manifestent pas toujours dans nos vies présentes, mais on en trouve une expression partielle dans le caractère de la conscience. On a encore des traits de nos expérimentations antérieures. Et ces traits, parfois, ressurgissent au moment où on s'y attend le moins, parce qu'une situation ou un événement arrive. Et là, on redevient frontal, tout simplement. Mais au lieu de se poser la question, de se dire « mais
pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? Qu'est-ce qui fait que j'ai réagi comme ça? Qu'est-ce que cette âme m'a renvoyé que je n'ai pas encore compris? Au lieu de rester en confrontation et de se dire mais non, je peux pas là. Mais c'est pas que vous pouvez pas, c'est que vous n'avez pas compris. Ce qu'elle est revenue, vous renvoyer et révéler là. On est tous co-créateurs là, on est tous là pour partager, pour échanger, sans exception. Là. Si on ne comprend pas l'événement ou l'être que l'on rencontre, on passe une étape là. Il y a une étape qui passe. Ce qui fait qu'on ne peut pas intégrer la suite. C'est pas à part. Hein. Pendant les heures de veille, le corps du désir et l'intellect détruisent sans cesse les tissus du corps physique. Le corps vital s'efforce fidèlement de les restaurer, mais il n'est pas capable de compenser éternellement les destructions occasionnées par les autres véhicules. Il perd graduellement du terrain et finalement il s'affaisse. Le fluide vital cesse de circuler en quantité suffisante le long des nerfs et le corps s'assoupit. L'ego gêné est contraint de se retirer, emmenant avec lui l'intellect et le corps du désir. Le corps physique reste pénétré par le corps vital dans un état d'insensibilité que nous appelons le sommeil. Bon, on sait aussi que dans le sommeil, il se passe énormément de choses. C'est dans le monde du désir que l'ego se retire. Là, il rétablit le rythme et l'harmonie de l'intellect et du corps émotionnel. Quand ces véhicules sont fortifiés, ils travaillent à leur tour à la régénération du corps vital. Ce dernier spécialise à nouveau l'énergie solaire et s'active à restaurer le corps physique que nous retrouvons frais et dispo au réveil. Il arrive parfois que le corps du désir ne se retire pas complètement du corps vital. Il en résulte que le travail de restauration s'accomplit imparfaitement, tandis que certaines scènes du monde du désir parviennent à la conscience physique sous forme de rêves. Ces rêves sont confus ou grotesques par suite de la mauvaise liaison entre les véhicules. Pas seulement. Lorsque les âmes qui sont hors corps, dans des niveaux de haut astral, et pas que du haut astral, peuvent vous envoyer des rêves initiatiques. Vous n'êtes pas forcément en mesure de les comprendre. Mais les images sont tellement puissantes qu'au réveil, elles sont imprimées dans les cellules. Vous ne pouvez pas faire autrement que de vivre dans le rapport du sommeil et dans la transmission qui vous est faite pour vous faire passer une étape. Parce que l'étape, là, elle n'est pas consciente. Justement, ah, lâchez prise dans le sommeil. Donc là, on vous passe un message. Et qu'est-ce que vous faites avec ce message ? Si vous ne faites rien avec ce message, alors que c'est du costaud, si vous ne demandez pas un accompagnement, j'ai pas compris, là tu peux m'aider, tu peux me dire ce que j'ai pas compris. Il est essentiel d'intégrer hein, chaque rêve de ce niveau-là, parce que c'est exactement une prise de conscience nécessaire à votre propre perceptivité d'instant. Je ne parle pas d'évolution, hein. Je parle d'intégrer dans l'instant le message qui est transmis. Ah ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai entendu. Merci. Certains rêves, cependant, apportent des solutions logiques aux problèmes de la vie. Ils se produisent généralement juste avant le réveil et seulement lorsque la séparation des véhicules a été complète. Ce sont des avertissements que l'ego imprime sur le cerveau au moment du réveil. Ils sont le plus souvent très vite oubliés. La mort. Qui n'existe pas. Je ne peux aujourd'hui que témoigner de l'expérimentation vécue et intégrée avec eux depuis des années. J'ai eu accès à tellement d'informations que pour moi aujourd'hui la mort ne représente rien. Mais rien du tout. C'est juste une transition. C'est juste un passage. Ce passage, on l'accepte ou pas ? Parce que tant que l'ego est présent, on n'a pas envie de partir. Et en plus, on n'accepte pas que les cellules se dégradent et que donc on vieillisse. Voilà, j'ai 55 ans, je me sens comme un gamin de 20 ans. C'est sûr que la vibration, quand je suis arrivé dans cette incarnation, j'étais au ras des pâquerettes. Hein. La signature vibratoire, j'étais tellement chargé comme une mule, avec 1047 incarnations, qu'il a fallu quand même quelques décennies d'œuvres de conscience
pour retrouver l'état de présence, c'est-à-dire 25 ans. Donc un quart de siècle. J'ai passé un quart de siècle à essayer de revenir présent. Et puis un jour, le canal s'est remis en route. Et là, j'ai eu toute l'histoire. Ce qui fait que je ne vois plus du tout la vie de la même manière. Même si déjà je savais que j'appartenais... Enfin, c'est pas que j'appartenais pas à ce monde, c'est que je sentais que j'avais... Tout était tellement facile dans la capacité de créer depuis la naissance. Mais rien n'était possible. Rien n'était fluide. Tout était toujours forcé, etc. Et là, j'ai compris. J'ai compris que j'étais chargé comme une mule. Que le train qui était rentré en gare de l'incarnation, là, il avait des valises, mais ras les wagons. Donc il a fallu les ouvrir une par une. Pour comprendre chaque nature d'incarnation, chaque nature de séparation. Et puis, il ne se gêne pas pour m'envoyer les images en HD. Hein. Au contraire. Et là, quand vous avez les images d'une vie antérieure qui revient en HD, merci, j'ai compris. Lorsque l'esprit n'est plus en mesure de tirer profit des conditions de l'existence matérielle, l'archétype du corps physique cesse de retentir. Et la vie se termine par la mort. Cet événement peut nous sembler prématuré lorsqu'il survient brusquement à la suite d'un cataclysme, d'un accident, ou encore sur un champ de bataille. En réalité, ces circonstances font partie de la destinée, ce qui n'est pas toujours le cas. Je vous raconte, je fais la narration d'une âme qui est venue en séance. Je la trouve tellement exceptionnelle que je me permets de partager. Un professeur d'université, tant physiquement que dans sa capacité réelle de transmettre, les cheveux blancs, les yeux bleus très clairs, qui a passé sa vie à accompagner les âmes féminines, plus de 900 incarnations. Comme un merveilleux universitaire, il était en train d'écrire tout ce que j'étais en train d'exprimer et de partager avec lui. Je lui ai dit, arrête, c'est enregistré. Arrête d'écrire. Et puis, quelques mois plus tard, il revient... On se revoit. Et entre-temps, en décembre 2018, il partait avec sa compagne en voiture à leur maison de campagne dans le sud. Il connaissait parfaitement la route. À un moment donné, il a dit « Je me sens pas bien. Est-ce que tu peux prendre le volant, s'il te plaît ?» Donc ils se sont arrêtés, ont été avertis, il est passé sur le siège passager. Arrivé au carrefour, à un stop, la voiture s'arrête, et sa compagne ne sait absolument pas pourquoi elle a accéléré. Et là, dans le carrefour, une voiture. Poum ! Il est sorti hors corps. Il s'est retrouvé à 30 mètres au-dessus des deux voitures. Il a senti un état d'amour inconditionnel pendant 30 secondes. Ça a bouleversé sa vie. Le professeur d'université qu'il était a passé un cap de conscience. Je lui dis maintenant, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu viens de vivre une transmutation, une conscience. Je lui dis, qu'est-ce que tu en fais? Comment souhaites-tu le partager? Parce que si tu ne partages pas cette expérimentation, comment peux-tu accompagner les âmes? Partage, écris un livre, fais un texte, enfin peu importe ce que tu souhaites réaliser, mais partage-le. Vivre une transcendance de ce niveau-là, c'est plus qu'un signe. Hein. C'est tu arrêtes maintenant, tu prends conscience, tu reviens et tu agis. Donc quand ça arrive à des êtres, de se décorporer par rapport à un accident, etc., je vous parle même pas de ce qui s'est passé pendant la guerre du Vietnam, hein, il y a un bouquin comme ça, pendant la guerre du Vietnam, de tous les soldats qui se sont décorporés en pleine jungle. On a des listes infinies. C'est dans les archives de l'armée de terre américaine. Des centaines de témoignages sur ce sujet. Alors, cet événement ne peut nous sembler prématuré lorsqu'il survient brusquement à la suite d'un cataclysme, d'un accident ou encore sur un champ de bataille. En réalité, ces circonstances font partie de la destinée. Donc,
Petit bémol sur la destinée. Au moment de la mort, le corps vital, le corps du désir et l'intellect abandonnent le corps physique dans un mouvement en spirale, important avec l'énergie d'un atome physique, non l'atome lui-même. Les résultats de ces expériences effectuées pendant la vie, qui vient de finir, ont été gravés sur cet atome spécial. Cet atome spécial qui est connecté à le disque dur. Parmi les autres atomes qui sont sans cesse renouvelés, il est resté stable, et cela de vie en vie, car il fait partie de tous les précédents corps physiques de l'ego et il servira de noyau au corps suivant. C'est pourquoi il a reçu le nom d'atome germe ou atome source. Pendant la vie terrestre, l'atome germe anime le cœur. Le thymus est l'informateur du cœur. Donc revenir là, c'est réinformer le cœur qu'on est là. Tout simplement. Il est situé dans le ventricule gauche de cet organe, près de la pointe. Quand les autres véhicules ont quitté leur corps physique, ils lui sont encore reliés par une corde subtile et extensible appelée corde d'argent. Une extrémité de cette corde est attachée au cœur par l'atome germe. Le départ des forces de l'atome germe cause l'arrêt du cœur. Mais la corde d'argent n'est pas brisée tant que le panorama de la vie inscrit sur l'éther réflecteur du corps vital n'a pas été passé en revue. Qu'est-ce que ça signifie ? Que l'univers ne juge pas, ne condamne pas, c'est impossible. Pourquoi il ne condamne pas, il ne juge pas ? Parce que c'est l'expérimentation. Qu'est-ce que tu as vécu ? Qu'est-ce que tu as compris ? C'est tout. Qu'est-ce que tu as besoin d'expérimenter à nouveau pour passer un autre cap de conscience ? C'est ça l'incarnation. Seulement, on n'a tellement pas compris que l'expérimentation de la vie, c'est la clé de la liberté. Et que tous les interdits que l'on se pose par le mental, ça signifie qu'on ne vit pas. Parce qu'on s'oppose littéralement au flux infini de la vie. Sinon, non, ça je peux pas maintenant. Ah bon ? Pourquoi ? Je te pose la question, pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas ? Interroge-toi sur la source de pourquoi tu ne peux pas. Quelle est la raison que tu vas trouver pour ne pas vivre, expérimenter ? Et c'est à chaque fois, ça. Si ce n'est pas tous les jours. Ça peut être rien, hein ? Mais ça peut être quelque chose de fondamental en termes de passage de conscience. Ce panorama se présente à la conscience de l'homme en sens inverse. Il commence par les scènes de la vie précédant la mort et se termine à la naissance. Au fur et à mesure qu'il se déroule, il est enregistré sur le corps du désir. Il servira ainsi de base à l'existence qui va suivre au purgatoire. N'exagérons rien sur le purgatoire, c'est un mot très catalysé sur le plan du verbe catholique. Le purgatoire, c'est voilà, il y a des niveaux de fréquence, il y a dans le bas astral plusieurs niveaux, il y a dans le moyen astral plusieurs niveaux, dans le haut astral il y a encore plusieurs niveaux, au-dessus du haut astral il y a encore. Donc, arrêtons avec les mots qui condamnent, parce qu'il n'y a aucune condamnation par l'univers, aucune. C'est nous qui nous condamnons, c'est pas l'univers. La durée du panorama est fonction de l'endurance du corps vital. Elle peut atteindre 3 jours et demi au maximum. Cela correspond au temps durant lequel une personne pourrait rester éveillée en cas de besoin. Quand le corps vital s'affaisse, l'homme se retire dans le monde du désir, la corde d'argent se brise et le corps vital est abandonné à son tour. Il retourne au corps physique, mais il ne le pénètre plus comme pendant le sommeil. Il plane au-dessus et se désintègre en même temps que lui. En réalité, le corps vital ne retourne pas entièrement au corps physique. La partie la plus subtile, comprenant l'éther-lumière et l'éther-réflecteur, reste avec les véhicules supérieurs et forme la base de la conscience dans le monde du désir. Toute atteinte faite au corps physique pendant la rupture de la corde d'argent, et pour ceux qui se sont décorporés, c'est pareil, pour les êtres qui ont vécu, et j'ai eu très souvent le cas, d'âmes qui ont vécu il y a quelques siècles en Australie, en tant qu'arborigène. La particularité des vies arborigènes, la cosmogonie.
la conscience unifiée. Mais conscience unifiée, ça veut dire je me décorpore, je fais des rites pour me décorporer et aller voir les ancêtres. Et la grande majorité ont envie de rester avec les ancêtres, enfin, ce qu'ils appellent le niveau de conscience des ancêtres, ou d'un rapport de niveau de communion avec les ancêtres. Et le corps est dans le désert. Et pendant des jours, le corps est dans le désert. Qu'est-ce qui se passe avec un corps qui est plusieurs jours dans le désert australien? Ben, il meurt, petit à petit. Nous ne sommes pas autorisés à décider le temps que nous passons dans ce corps. Ce n'est pas à nous de décider le moment où on va partir. Et encore moins de la manière dont un arborigène qui se met dans un rapport de communion sur un autre plan de conscience dit que le corps n'est pas important. Je l'exprimerai jusqu'à la fin de cette existence. Il n'y a pas de conscience sans corps. On est là. Et on est là entièrement. Le corps et la conscience, c'est conscience inclus. Ce n'est pas un package séparé. Hein. Du tout. Tous ces événements dérangent l'ego, ils empêchent d'apporter une extrême attention au déroulement du panorama. Celui-ci ne pourra s'inscrire convenablement sur le corps du désir, les expériences de la vie qui vient de finir seront perdues en partie ou en totalité. La crémation devrait être évitée pendant les 3 jours et demi, parfois un peu plus, ça dépend de chaque âme, qui suivent la mort, car elle a pour effet de causer la désintégration du corps vital qui doit être conservé intact pendant cette période. Quand la corde d'argent se brise, le corps est complètement mort. Au sujet de la corde d'argent, il est utile de préciser qu'elle se compose de 3 segments reliant entre eux les atomes germes des différents véhicules de l'homme. Pendant les heures de veille, sa localisation et celle des atomes germes est la suivante. Le premier segment, constitué d'éther, relie l'atome germe au corps physique, qui est situé dans le cœur, à l'atome germe du corps. Le second segment, constitué de substances, désir, relie l'atome germe du corps vital à l'atome germe du corps du désir situé dans le foie. Combien de fois on nous a dit « j'ai mal au ventre ». Alors que ce soit les intestins parce qu'on ne digère pas, que ce soit le gros intestin parce qu'on n'arrive pas à évacuer une émotion tellement marquée qu'on est complètement bouché, mais quand le foie n'est pas en état, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est la vibration vitale, c'est l'énergie. Le troisième segment, constitué de substances mentales, relie l'atome germe du corps, du désir, à celui de l'intellect, qui se trouve dans le sinus frontal. À la fin du panorama, la corde d'argent se brise, et à la jonction des 2 premiers segments, l'homme abandonne la partie dense de son corps vital, c'est-à-dire les 2 éthers inférieurs, qui entretenaient la vie dans le corps physique. Il importe les forces de l'atome germe, elles serviront de noyau au prochain corps vital. L'ego quitte alors la région éthérique. Il se retire dans le monde du désir et son corps émotionnel prend la forme du corps physique abandonné. La renaissance, la descente en incarnation. Vaste chapitre. 84% des âmes, telles que les informations qui m'ont été transmises, quelques mondes que ce soit, nos sœurs et frères extraterrestres qui sont eux-mêmes des âmes incorporées dans d'autres civilisations, dans d'autres niveaux de perception et d'évolution. 84% de toutes les âmes existantes, incarnées ou non, ne font pas le choix de l'incarnation. C'est la signature vibratoire qui définit le plan d'incarnation, le lieu où vous allez naître, les êtres avec lesquels vous allez vivre. Voilà, seulement 16% sont dans le libre arbitre. Bon, ça fait du monde déjà, 16%. Hein. Mais qu'est-ce que le libre arbitre de l'incarnation? Il n'y a aucune volonté. J'arrive. Je vais accompagner. Point. Il n'y a pas de fuite hein, dans le libre arbitre. C'est bon, on y va. On partage. On échange.
Quand le moment propice à la réincarnation est venu, les seigneurs de la destinée, alors arrêtons le mot seigneur, les êtres qui accompagnent dans le principe de l'évolution et les bureaux de « je coupe toutes les cordes de, pour que tu ne sois pas perturbé dans l'incarnation de toutes les capacités de connaissances que tu peux avoir de tes vies antérieures », donc on coupe tout, comme ça, t'es pas canalisé, hein, à toi d'expérimenter. Ou ange de justice, il n'y a pas de justice dans l'univers, il n'y a que la justesse. C'est nous qui avons considéré que la justesse devenait une justice, ce qui est très différent. Qui administre la loi de cause à effet. Et une fois de plus, la loi de cause à effet, c'est la signature vibratoire de l'être que vous êtes, avec la totalité des expérimentations vécues antérieurement. Ces images se déroulent à la manière d'un film de cinéma et vont du berceau à la tombe. Certaines vies sont plus difficiles que d'autres, car elles permettraient de faire plus de progrès, entre guillemets, et de liquider un plus grand nombre de dettes contractées dans les existences antérieures. Qu'est-ce que ça signifie de liquider des dettes de karma antérieures ? Ça veut dire déjà arrêter de se comporter comme on a déjà vécu. Et essayer, c'est un signe. Drôlin. Donc, de ce fait, qu'est-ce que signifie liquider un karma ? Ça veut dire déjà en prendre conscience. Si on n'en prend pas conscience, d'une forme comportementale ou d'une manière dont on existe encore, on reste marqué. Donc si on reste marqué, pas revenir là. Très compliqué. Accepter que l'on a été des êtres dans de tels niveaux de séparation et de dissociation, et je parle pour l'ensemble des êtres qui sont en présence ici aujourd'hui, moi compris. Nous avons tous vécu des expérimentations de séparation de conscience. À nous d'accepter et d'accueillir l'essentiel, avant d'en prendre conscience, pas qu'on est responsable des actions que nous avons construites dans nos vies. Et de passer ce cap, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Si je vous racontais ma ligne quantique, vous seriez juste vert. Lorsque l'esprit a fait son choix, sa destinée est définitivement établie et ne pourra pas changer. Erreur. Toute modification de signature vibratoire redéfinit un plan d'existence, y compris dans l'incarnation. Vous prenez conscience, ici, maintenant, de quelque chose, vous sortez, vous descendez les marches, ça change complètement les variables et les potentiels de vos réalités dans l'instant T. Donc tout est possible. Nous devons marquer que ce sont les actions accomplies dans le passé qui l'ont engendré, bien évidemment. La destinée mûre ne comporte que les principales circonstances de l'existence, mais en face de ces circonstances qui lui seront imposées, l'homme sera toujours libre d'agir à sa guise. Pas tout à fait en accord. Vu que la signature vibratoire de l'être que vous êtes, et quand vous essayez de réaliser quelque chose dans cette existence, et que vous sentez que vous avez un mur invisible que vous n'arrivez pas à passer. Ce mur invisible, il est composé de quoi ? Bah, d'énergie. Qui a posé ce mur invisible devant vous ? Vous-même. Personne d'autre. C'est le principe de ces énergies vécues antérieurement et intégrées qui fait que vous avez vous-même posé les limites, les limiteurs de votre réalité. Et tant que ces murs invisibles sont posés, vous pourrez toujours essayer. Ça ne marche pas. Ce n'est pas la direction. Et surtout, tu ne retournes pas dans ce schéma comportemental que tu as déjà éprouvé antérieurement.
L'esprit descend ensuite dans la région de la pensée concrète pour y construire avec l'aide des hiérarchies créatrices l'archétype de son corps physique. Cet archétype est une forme vibratoire mélodieuse dans laquelle viendront s'insérer les particules du corps physique qui seront attirées par l'atome germe. Une certaine durée de vie est infusée dans l'archétype. Ensuite, l'ego rassemble la matière qui formera son nouveau corps mental. À cet effet, l'atome germe de ce véhicule attire de manière d'un aimant une quantité et une qualité de substances déterminées. On ne parle que d'énergie. La descente se poursuit dans le monde du désir, où l'atome germe du corps émotionnel attire à son tour la substance qui constituera le nouveau corps du désir. Dans la région éthérique, l'atome germe du corps vital, entre lui aussi en activité, rassemble la matière qui formera de nouveau le corps vital. On va passer aux annales akashiques. Ces annales akashiques, nos disques durs personnels, collectifs, individuels, parce que bien évidemment, on a tous rencontré des milliers d'âmes à travers nos incarnations, et quand je dis des milliers, si ce n'est pas des dizaines de milliers. Et on a partagé, on a échangé, on a communié, on n'a pas voulu, peu importe. C'est ce qui forme le condensé. Jean Dubuis, c'est un extrait d'un texte, Le zéro et l'infini. Toute chose, tout acte, toute pensée sont gravées dans les archives de la nature. Au Japon, même aux États-Unis, ça y est, ils sont arrivés à créer des disques quantiques. La somme d'informations qu'on peut mettre dans ces disques physiques quantiques est infinie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrivé à matérialiser ce que l'univers lui-même est. Mais on ne fait que ça. On ne fait que matérialiser des formes ou des ondes de formes qui sont issues de l'univers. On ne fait que ça. Hein. On est des créateurs, certes, mais parce qu'on matérialise. Mais tout existe. Hein. On n'invente rien. Hein. Celui qui croit inventer, il n'a pas tout à fait compris comment ça marche. On pose juste la variation et la qualité de la vibration dans la matérialisation. Ça dépend uniquement de votre conscience dans l'instant T. Alors, il y avait un petit texte qui avait été posté il y a un moment par Jean Dubuis et qui avait été posé par Guillaume Actuel, je ne sais pas si vous le connaissez. Concernant les annales akashiques, nous sommes là sur un concept, j'aime infiniment, élaboré par la société théosophique sur la base de plusieurs savoirs. Donc ce n'est pas du savoir déjà, c'est de la connaissance, ce qui n'a plus rien à voir. Parce que le savoir, oui, je sais. Ah oui ? Seulement la connaissance, c'est le vécu intégré et assimilé. Hein. Tu ne l'as pas vécu, ne dis pas que tu sais. Ça, c'est la base de l'humilité. Hein. Tant que ce n'est pas vécu, assimilé, intégré, donc l'intégration, c'est la totalité, hein. C'est intégré. Donc une fois que c'est intégré, bah, c'est de la connaissance. C'est plus du savoir. Et chère Elena Blavatsky, que j'ai eue en communication, il y a de cela quelques années, merveilleuse personne. Et je dis personne par rapport à l'incarnation qu'elle a vécue. Elle a créé l'école de théosophie, on a eu quelques heures de conversation et pas de discussion. Donc une vraie conversation dans un rapport de douceur et de présence, c'était mais admirable. J'étais ému de communier avec elle. Aujourd'hui, elle est d'un niveau archangélique de 44e niveau. C'est elle qui, quand même, a fait venir Krishnamurti hein, pour faire le lien entre l'Orient et l'Occident, hein. C'est-à-dire les deux cerveaux, hein, pour faire simple, qui va ouvrir le bal dans son ouvrage Isis dévoilée, ouvrage au sein duquel elle va introduire l'idée d'une mémoire universelle. Elle parlera d'une lumière astrale en laquelle et par laquelle tout y est consigné. La lumière devra livrer à notre examen les secrets les plus cachés, car si elle est un livre toujours fermé pour ceux qui voient et ne perçoivent pas, il est d'autre part toujours ouvert pour ceux qui veulent le voir ouvert. Elle continuera en expliquant que ce livre contient le souvenir. Alors, petit bémol,
le souvenir et le regret sont liés à la dualité de l'inconscience. Il n'y a que la mémoire vivante lorsque l'on est conscient. Il n'y a pas de souvenir, il n'y a pas de regret. C'est ça la grande différence entre la conscience et la partie inconsciente. Il est d'autre part toujours ouvert pour ceux qui le... Elle continuera en expliquant que ce livre contient le souvenir inaltéré de tout ce qui a été et où sera, c'est-à-dire les variables et les potentiels. Attention, il y a certains cycles stellaires qui sont dans des temps tellement incroyables, tellement inconcevables pour notre capacité à comprendre ces temps stellaires, que quand on dit le souvenir de tout ce qui a été et ou sera, oui, certains cycles existent sur des temps stellaires qui nous dépassent complètement. Et ce sont des cycles. Et nous sommes partie intégrante de ces cycles, même s'ils ont 26 000 ans, 1 million d'années. Nous en sommes partie intégrante. Elle continuera en expliquant « Ce livre contient le souvenir inaltéré de tout ce qui a été et ou sera. Les moindres actes de notre vie sont retracés, et même nos pensées, y demeurent photographiées sur des tablettes éternelles. C'est le livre que nous voyons ouvrir par l'ange dans l'Apocalypse, lequel est livre de vie et celui sur celui que les morts seront jugés suivant leur œuvre. » Et le mot « œuvre » est posé. C'est-à-dire l'œuvre que nous sommes en capacité de réaliser dans cet instant T. Et c'est tout. Et il n'y a pas de jugement. Une chose particulière sur ce texte. Une fois de plus, il n'y a pas de jugement. Et le mot apocalypse, vous connaissez tous la racine ? Qui connaît la racine du mot apocalypse ? La révélation. Ça change tout. C'est pas le chaos, c'est la révélation. C'est l'inverse du mot qui a été utilisé à dessein pour dessiner une fin finale à l'ensemble du vivant sur cette terre. Et la racine, c'est la révélation. Ça change tout. Lequel est le livre de vie ? En un mot, c'est la mémoire de Dieu. Ainsi, ne cherchez pas à voyager dans des contrées que votre conscience ne peut concevoir pour avancer dans un endroit inconnu. Il existe ésotériquement deux grandes méthodes. La première consiste à se faire guider par ceux qui connaissent déjà l'environnement. Ils donnent alors des indications et savent confectionner des outils permettant de se retrouver, de ne pas se perdre, ou parfois, pour les plus habitués, ils vous emmènent avec eux en excursion. La seconde consiste à laisser la nature vous dévoiler ses terres. On avance, alors pas à pas, on réhabilite la conscience plus exactement, pas à pas, avec patience et sagesse. Toute forme d'impatience est une séparation. On est impatient sur quelque chose, ça y est, dissocié. On ne vit pas l'instant. De cette manière, nous pouvons être guidés, accompagnés, et une fois de plus, la guidance et l'accompagnement sont la clé. Il n'y a pas d'aide. Ils n'aident pas. Ils accompagnent. À chaque fois qu'on fait un pas de conscience, à chaque fois que je leur dis « c'est bon, j'ai compris ». Next. Mais si ce n'est pas compris, ils me le répètent, jusqu'à ce que je comprenne. Que je l'entende, que je le comprenne, que je l'assimile et que je le réintègre. Ils me font pas de cadeaux, ils me font des présents. C'est pas pareil. C'est au présent, c'est dans l'instant T, en temps. Tu n'as pas compris. Ok. Raconte. Qu'est-ce que j'ai pas compris ? Et j'accueille. C'est le seul principe, c'est l'accueil. Quoi qu'ils vous transmettent, quoi qu'ils vous disent, à tout instant,
c'est l'accueil de ce qui est. J'ai dans cet article résumé la chose, j'espère néanmoins que cela aura éclairé mes amis lecteurs et lectrices. Les archives de la nature sont avant toute chose un moyen de se souvenir, de retrouver la conscience de nos vies passées, de ce que nous avons fait et de ce que nous avons plus à faire dans une incarnation. Elles peuvent être une grande aide dans ce sens, mais ne nous aventurons pas à vouloir en savoir de trop. Le serpent n'est jamais très loin. C'est sa propre vision des choses. Daniel Meroy, que vous connaissez tous, qui a écrit, je ne sais pas, au bas mot, une trentaine de livres, qui a fait des sorties hors corps à l'infini. C'est possible, je ne sais plus. C'est Meroy ? Oh, mon Dieu. D'accord. Je dois dire qu'il m'a fallu un certain nombre d'expériences de cette nature pour que je comprenne de façon indubitable que les films dans lesquels je pénétrais avant étaient enregistrés à travers le regard, la vision, la captation de chaque image. Donc par la conscience d'un homme ou d'une femme ayant vécu l'époque investiguée, éventuellement ma propre conscience en une autre existence. Je sais aujourd'hui qu'à chaque fois que je suis appelé à faire une lecture du passé, ce n'est pas une lecture, c'est juste un accueil des informations. C'est donc dans le film mémoriel d'un être précis que je plonge et qu'en termes très actuels, j'ai ainsi accès à sa banque de données fondamentales par le biais d'une fréquence vibratoire. Après des centaines et des centaines d'expériences de cet ordre, je crois pouvoir désormais affirmer que la conscience de tous les êtres vivants individualisés joue constamment le rôle d'une sorte de caméra vidéo intégrale dont la particularité est de conserver la mémoire absolue et par conséquent redoutable de tout ce qui est vécu et même éprouvé. Et quand on parle d'être éprouvé, c'est on parle d'épreuve. Qu'est-ce qu'une épreuve ? Qu'est-ce que l'on considère dans un rapport d'épreuve dans l'existence ? On ne considère dans la vie une épreuve pas que lorsque l'on n'a pas compris. Et là, ça devient chaotique. Mais il n'y a aucune épreuve. Il n'y a pas d'épreuve. Il y a notre capacité à lâcher prise. C'est pas pareil. Ça ne devient qu'une épreuve parce qu'on ne lâche pas, parce qu'on n'accepte pas et parce qu'on n'accueille pas. Il n'y a aucune épreuve. La vie vous renvoie très exactement ce que vous avez à expérimenter. Ce n'est pas une épreuve. C'est un présent. Donc c'est une modification complète de la psyché, là, sur le rapport à... On évacue le mot épreuve. Ça n'existe pas. Je suis aussi persuadé que cette mémoire va nourrir ce que j'appelle audacieusement un incommensurable disque dur collectif, et pour tout dire, divin. C'est précisément un tel disque dur, une mémoire colossale que les Orientaux nomment Akasha. Véritable lumière vivante qui, selon leur plus ancienne tradition, serait tellement constitutif majeur de notre univers. En réalité, la mémoire, qui est la nature profonde de cet élément, et qui donne naissance à ce que l'on appelle communément le livre du temps, sauf que le temps n'existe pas, est constitué d'autant de livres qu'il y a pu d'êtres vivants et pensants au fil des âges. Oui, parce qu'il part de la multiplicité. Chacun d'entre nous ici est un livre dans lequel il peut y avoir 300 pages, 400 pages, 500 pages, 600 pages, 800 pages, 900 pages, 1200 pages, peu importe. Ce sont les pages qui ont été posées en gras. L'écriture grasse, qui a marqué l'humanité ou d'autres mondes. Et ce sont ces pages en gras qui sont dissociatives vis-à-vis dans la lecture du livre. Ce sont les fréquences marquées qui ont posé une empreinte profonde de séparation. En réalité, la mémoire qui est la nature profonde de cet élément et qui donne naissance à ce que l'on appelle communément le livre du temps, constitué d'autant de livres qu'il y a eu d'êtres vivants et pensants au fil des âges, chacun ayant mémorisé, gravé le film de sa propre existence sur la plaque sensible qu'est l'akasha. Personnellement, je dirais que plus je pénètre la dimension akashique, plus j'ai la conviction profonde qu'en tant qu'espèce arrivée à une phase décisive de son évolution, il ne nous sera bientôt plus possible de continuer à concevoir le temps d'une façon linéaire, c'est-à-dire décomposée en passé, présent et futur.
Qu'est-ce que ça signifie? Absolument, le temps n'existe pas. Mais comment arriver à prendre conscience que le temps n'existe pas? C'est-à-dire changer totalement son rapport de psyché à l'existence. Chaque être que vous rencontrez, quel que soit leur règne, est partie intégrante de la vie, sans exception. De la fourmi, de l'atome, de l'angström, jusqu'à l'éléphant dans le règne animal, jusqu'à l'être humain, dans cette réalité. Rien n'est séparé. Rien. Ce ne sont que des niveaux de fréquence et qui s'interpénètrent. C'est bien donc le macrocosme et le microcosme, puisque ça se passe de la même manière dans les plans de conscience hors corps. Il y a les plans de conscience, de vibrations, de résonance, voilà, jusqu'au plus haut niveau de mammifères dans le monde animal, que peuvent être les dauphins ou les baleines ou les cachalots, qui sont des mammifères. Ils sont dans le haut du règne animal, c'est-à-dire proche, très proche du passage. Qui connaît la métempsychose? La métempsychose. Est-ce que ça vous parle? Non? Oui? Ça a été un temps, ou du temps de Blavatsky, colonel de Rocha, enfin tous ceux qui faisaient Allan Kardec, tous ceux qui faisaient partie au XIXe siècle de ce romantisme absolu du partage de l'invisible, ont évoqué le principe de la métempsychose. Alors je leur ai posé énormément de questions sur ce sujet. Il y a en effet quelques cas d'âmes qui ont vécu dans nombre d'incarnations de type humaine et qui ont été tellement dans un rapport de séparation de volonté si puissant que hors corps, il est décidé de revenir aux archétypes fondamentaux pour cette âme. Ils vont descendre le taux vibratoire de l'âme que vous êtes et vous remettre dans l'incarnation mammifère du monde animal. Qu'est-ce que le monde animal? Le monde animal, c'est simplement, ben voilà, on vit, hein, on se reproduit, c'est la vie. Ce sont les archétypes de base. Il y a des âmes qui ont complètement oublié les archétypes de base. Donc, on les redescend juste d'un palier, hein, pour qu'ils reprennent conscience de ce qu'est, que sont les fondamentaux de la vie. Alors, c'est quelques cas. Il n'y en a pas des millions. Hein. C'est quelques cas. Des âmes qui ont un peu abusé de « laissez-moi faire ce que je veux ». C'est pas comme ça que ça marche. Lorsque je me laisse gagner par l'état de conscience qui conduit à la plongée dans la mémoire du temps, il me paraît évident que tout est déjà accompli et parfait dans ce présent éternel, je pourrais rajouter immuable, que nous nommons éternité, dont nous pouvons avoir une idée caricaturale. C'est son point de vue. Je me dis ainsi que la multitude des vies qui sont nôtres et aussi auxquelles nous participons ressemble dès lors à une vertigineuse quête formatrice de la conscience globale de l'univers et que cette quête est l'instrument d'expansion de cette conscience. Il reste qu'à l'heure actuelle, puisqu'il nous faut bien nous exprimer au cœur même de l'illusion, l'accès aux archives du temps me permet, semble être soigneusement préservé par ce que j'appellerais des présences ou intelligences infiniment plus proches que nous d'un état de mémoire totale. Pourquoi? À des fins de protection. Arrêtons tout de suite sur la protection. Qu'est-ce que ça veut dire se protéger d'eux? La peur. La peur. Donc, on n'a pas besoin de se protéger. Pour arrêter toute systématique de cette forme de peur, nous n'avons pas besoin de nous protéger, soit avec des objets, des pendentifs. Enfin, pas besoin, non. Être, pas besoin de rien. Tout est là. Vous vous expansez dans votre champ vibratoire, c'est juste l'expansion. Mais besoin de rien. Alors certes, il y a des pierres qui vibrent à plusieurs centaines, voire millions d'unités, bovis. Donc ils sont des minéraux avec des
qui ont des taux vibratoires très particuliers, qui peuvent accompagner un temps. Hein. Mais attention, un temps. Il est essentiel de ne jamais rester dans un confort. On reste dans un confort. On crée une boucle temporelle fermée. Pour faire simple. Cette boucle temporelle fermée, on est dedans. Alors, ça peut contenter un moment, hein. Mais à un moment donné, on se dit, mais j'avance pas. Mais ça veut... mais c'est quoi avancer ? Une fois de plus, c'est je souhaite sortir du sec. Donc on porte encore à l'extérieur un vœu intérieur. Et à chaque fois, on oublie que c'est de l'intérieur que le cercle de la boucle temporelle se dissout. C'est de l'intérieur. Pas. On ne sort pas d'une boucle temporelle. On la fluidifie. Et ça appartient à notre responsabilité, que d'arrêter de maintenir une boucle temporelle fermée. Parce que des boucles temporelles fermées, on en active tous les jours. Quand il y a beaucoup de boucles temporelles fermées, à la seule coup, mais qu'est-ce que je fais là ? Alors, il suffit qu'il y ait en plus des vagues photoniques en ce moment du soleil, qu'il y ait les trous coronaux du soleil qui bombardent littéralement tout le vivant, que l'ensemble de vos cellules, de vos ADN, de vos tissus, de votre cerveau est touché pour vous mettre à niveau le jour où on va s'aligner dans le soleil central de la galaxie d'Alcyone. Parce que si on s'aligne directement, là, on grille, hein. On n'est pas à niveau. Donc ça se fait peu à peu, étape par étape. Lorsqu'on aura compris cela autrement qu'intellectuellement, on saura qu'on ne peut aborder l'océan des annales akashiques qu'avec un infini respect. Ce n'est pas un rapport de respect. Qu'est-ce que le respect ? Pas du tout. Non. Respectez-moi. Qu'est-ce que je vous demande ? Non. Non, non. Pas du tout. Respectez-moi. Ben, ça veut dire que je ne suis pas conscient de l'être que je suis. Je n'ai pas besoin de votre validation pour être. Donc le respect, ça n'existe pas. Le pardon. Je vous pardonne. Qui suis-je pour vous pardonner avec mes 1047 incarnations, mes 86 vies de guerre et mes 7 vies de samouraï ? Personne. J'ai simplement vécu l'expérimentation de l'être que je suis, point. Je suis simplement l'être que je suis, point. Avec la totalité des mémoires vivantes, conscientes, de ces réalités antérieures. Qui est en capacité de faire tellement de choses que ils me disent, calme-toi, pose-toi, agis en conscience. Chaque chose vient, naturellement, en son temps. Parce que je vais très vite, hein. Vous pouvez demander à Benjamin et Edouard ou Anthony qui est au son, comment je l'ai, ou même Monique, comment je les ai boostés. Je ne les ai pas manipulés, je leur ai juste demandé d'agir. Mais il y a des peurs, hein. Il y a des résistances. Donc moi je continue simplement à exprimer en conscience l'être que je suis, c'est tout. Que ce soit entendu ou pas, cela ne me concerne pas. J'exprime l'être que je suis. Et si tout être que vous êtes arrive à cela, ben, il n'y a pas besoin d'être respecté, il n'y a pas besoin de pardonner, c'est fini. On est juste là, et on partage et on échange, en communion. C'est la deuxième partie de la séance. S'il y a enfin une révolution définitive à laquelle nous devons aspirer, c'est celle qui nous amènera à percer le secret de l'espace-temps, car en lui, on redécouvrira l'infinie perception de l'unité de tout ce qui est la base d'une vraie paix et de la complétude. Il y a un micro à votre disposition. Si vous avez des questions,
avant qu'on fasse une petite pause vis-à-vis de la seconde partie. On va mettre sur on. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions? Ça va? Allons tous prendre l'air. Ah oui. Attends, tiens, prends le micro, qu'on puisse t'entendre. J'ai lu à un moment donné que pendant les heures de veille, le corps du désir et l'intellect détruisent sans cesse les tissus du corps physique. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'il y a un processus de transformation chimique. Et que ce processus de transformation chimique peut altérer, comme faire évoluer complètement le corps physique. Mais c'est variable en fonction de chaque âme, dans l'étape d'évolution et de conscience. J'ai répondu à la question. Et alors, d'accord. Le corps vital, oui. Le restaure. Oui, bah, l'énergie vitale. Mais il restaure quoi? La signature vibratoire. C'est la signature vibratoire, l'énergie vitale. Donc l'énergie vitale, c'est quoi? L'énergie vitale, c'est l'énergie que l'on est chacun. Je peux demander comme ça à ce qu'il fasse shuffle sur vous aujourd'hui pour savoir quel est votre taux vibratoire. Donc l'énergie vitale, tu peux me dire s'il te plaît, l'énergie vitale. C'est stable? Assez stable. Donc là, ta vibration vibratoire est à 23 000 unités bovis. Vous connaissez les unités bovis? À peu près? Pour ceux qui ne connaissent pas, moins de 4 500 unités. L'âme se sépare du corps. Moins de 7 500 unités. Dégénérescence cellulaire, maladie. Entre 11 et 18 000. C'est la moyenne standard pour une âme pour vivre la transhumance dans une réalité incarnée. Au-dessus de 18 000, ça veut dire que l'énergie vitale est cohérente. Si elle dépasse les 55 000 unités, entre 55 000 et 100 000 unités, ça veut dire que vous êtes conscient. Ça veut dire que déjà, là, vous savez que vous n'êtes pas seul. Tout ce qui est au-dessus de 300 000, 500 000, 1 million, là, vous recevez de l'information. Pour vous donner juste une idée, je suis arrivé dans cette incarnation, le niveau du canal était à 7% en niveau de sécurité. Pas question de toucher aux vies de samouraï, pas question de toucher aux vies de guerre. Canal à 7% en niveau de sécurité. Niveau vibratoire vital, 11 000. Bref, j'étais au ras des pâquerettes. Aujourd'hui, 96%, merci, du canal est ouvert. Et je vibre dans l'instant T à 8,9 millions d'unités. Ce n'est qu'une étape. Je suis loin de l'état vibratoire christique. Mais peu importe. Ce qu'il y a à transmettre, c'est ce qu'il y a à transmettre. C'est l'état de conscience. Donc la régénérescence du corps vital, c'est la signature vibratoire. Je ne me suis jamais aussi senti vital que depuis que je vibre à ces niveaux-là, parce que c'est variable aussi, ça varie. Hein. Des fois, je suis à 9,3, 9,4. Voilà, c'est variable. Mais c'est l'énergie vitale qui fait que lorsqu'on se lève, on revient dans l'énergie vitale. Ça va? Je m'ai répondu. On fait une petite sortie de 10 minutes. Deuxième partie, pour retrouver cet état de communication, on va revisiter les deux parties. Car il y en a un qui construit et l'autre qui crée. Donc ça s'oppose un peu. Ce que l'on crée en soi se reflète toujours à l'extérieur de soi.
c'est l'au-delà de l'univers. Tout, on répète, toute fraction de pensée que vous avez est envoyée dans l'astral. Ça vous revient. C'est automatique. Shakti Gawain, que certainement beaucoup d'entre vous connaissent. La sphère de l'incarnation, la boucle temporelle fermée. Fermée, certes, mais ça veut dire que vous pouvez en sortir. Hein. Le soma, l'inconscient, ça engendre quoi ? La dualité. Qui engendre quoi ? L'ego. Qui engendre quoi ? La fameuse empathie émotionnelle réactionnelle. À chaque fois que vous êtes dans un sentiment, une émotion, vous êtes en réaction. Et donc là, c'est la destitution de conscience. Ça engendre quoi ? La distinction, la séparation, l'identification. On s'identifie aux êtres, aux choses, aux formes. Et la personnification. Car on s'intitule tous des personnes. Ce qui est faux. Ce sont nos signatures vibratoires qui ne définissent pas la personne que nous sommes, qui ne sont que le reflet de ce que nous sommes en tant que personne. Par contre, dès qu'on quitte le reflet, ben on est tous des âmes incorporées, vivant l'expérimentation au niveau de signatures vibratoires dans l'instant T. Hop. Frustration, jugement, peur, culpabilité. 93% de la population mondiale incarnée vit dans la sphère de l'incarnation. Vous vous sentez concerné ? La 3D. Qu'est-ce qui me permet d'expanser ? Accueillez la vie telle qu'elle est. Pas telle que dans un rapport de projection, vous puissiez souhaiter qu'elle soit différente. Parce que là, vous vous séparez. Donc accueillir, c'est la clé, hein, c'est l'axe. Hein, c'est là que ça se passe. Hein. Comme par hasard, toutes les fermetures éclairs, tous les boutons de chemise sont placés dans l'axe de tous les chakras. Ils n'ont pas fait exprès. Hein. C'était naturel. La communication, étape intermédiaire. On reprend le principe de communiquer et pas d'imposer, sous aucune forme que ce soit, à n'importe quel être que ce soit, et quel que soit son règne ou son identification. Le discernement. Qu'est-ce que le discernement ? Je vois les choses telles qu'elles sont, et non pas telles que la projection puisse souhaiter être différente. Vous êtes là, nous sommes. Nous vivons dans la seconde même l'état de présence. Il n'y a pas de séparation. Si on est dans le discernement constant, on voit, on entend, on sent tout, sans exception. La respiration consciente peut amener un état vibratoire de niveau de quatrième dimension de conscience. Qu'est-ce que la respiration consciente ? On va la voir après. La sphère de l'amour inconditionnel, l'autre sphère, celle-ci. L'amour inconditionnel universel, puisque comme je le répète, pertinemment à chaque fois, l'amour n'est pas une condition. C'est le choix et la décision qui conditionnent. Mais l'amour, lui, il ne souhaite rien d'autre que d'être. Il n'a aucune forme de volonté.
et il est universel. La compassion, l'opposé absolu de l'empathie émotionnelle réactionnelle. Qu'est-ce que la compassion ? Je sais, j'entends, je vois, je sens la vie en totalité. Il n'y a plus aucune forme de séparation. Quelle est la seule forme que la compassion puisse accompagner ? Le conseil. Qu'est-ce qu'un conseil ? Bah, ce n'est pas un ordre. Puis-je me permettre de vous inviter à dîner ce soir ? Êtes-vous disponible ? C'est une invitation. Donc la communication, la base de l'accompagnement, c'est le conseil. Mais ça engendre quoi ? Le rapport au conseil, ça signifie de laisser l'être dans la capacité d'être qu'il peut être dans l'instant. C'est-à-dire, s'il lui dit « Ah non, non, j'ai l'agenda, là, je ne peux pas. Je suis ravi de l'invitation que tu me proposes, mais là, je ne peux pas. » Ok ? Bah, écoute, quand est-ce que tu es disponible ? Est-ce que tu envisages le fait qu'on puisse se voir dans les jours, éventuellement, les semaines à venir ? À moins que tu aies d'autres possibilité d'existence et d'expression, peu importe, dis-moi ce que tu sens. La responsabilité. Hop. L'amour inconditionnel, universel, se définit par le rapport de la vérité. Mais on va aller plus loin. La vérité n'est que l'état de réalité dans l'instant T. Qui dit posséder la vérité ? Celui qui exprime qui dit possède la vérité, ça n'existe pas. La conscience dans l'instant T fait qu'on reprend le niveau de la responsabilité. Il y a trois niveaux de responsabilité. La première, elle est individuelle. J'agis dans le quotidien, je fais ce que j'ai à faire, je fais ce que j'ai à faire. Et là, vous vous retrouvez à chaque fois dans des niveaux d'empathie. À chaque rencontre, chaque événement, chaque chose que vous faites, vous rentrez en résonance, vous êtes en dissociation. Le niveau de la responsabilité individuée, le cercle est beaucoup plus large. L'ensemble des âmes que vous connaissez, elles sont toutes dans des variables et des potentiels. Il y en a même que vous connaissez qui nagent à contre-courant, hein, du flux infini de la vie. Ça appartient à leur expérimentation. Elles ont besoin de ce temps, de nager à contre-courant du flux infini de la vie, parce qu'elles n'ont pas compris. Elles résistent. Le flux est infini. Donc les variables et les potentiels sont infinis. Donc le rapport de la responsabilité individuée, c'est la clé fondamentale de l'accueil. Je perçois l'ensemble des variables et des potentiels existants sans que ceci ne m'affecte. Parce que je suis conscient de leur nature et de leur qualité. Ayant la conscience de la nature et de la qualité de chaque réalité, je les accueille toutes. Elles ne m'affectent pas, je ne suis plus touché. C'est terminé. Il n'y a plus aucune forme d'empathie émotionnelle, réactionnelle, qui puisse s'activer. C'est terminé. L'humilité, la véritable, l'unique humilité, partage, échange, c'est tout. Il n'y a rien à imposer à qui ou à quoi que ce soit. On partage, on échange. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, là ? On partage, on échange. Vous êtes en capacité d'accueil. Je suis ravi. Vous ne l'êtes pas, et alors ? Où est le problème ? Il n'y en a pas. 5D. Donc on fait des sauts. Hein. On passe de la 3. On se laisse un peu dans la navigation de la 4.
On a un sursaut de conscience. On fait, oh, petit saut en 5D, boum, on redescend. C'est pas stable, hein ? Donc, quitter la sphère de l'incarnation, arrêter la boucle temporelle qui fait que vous êtes dans un rapport systématique d'empathie émotionnelle réactionnelle. La respiration consciente, on va y venir. Lâchez prise. C'est l'eau. L'acceptation. La terre. Nous sommes composés de 80% d'eau. La matière subatomique dont les corps sont constitués, le reste, c'est 20%. Autre fréquence. Ce qui maintient la stabilité du corps physique. Donc, tant que l'eau et la terre sont dissociées, l'accueil est compliqué. Et l'accueil, c'est l'air. Donc la respiration consciente. La conscience, puisqu'on repasse par l'air, troisième œil, le feu igné. C'est le seul niveau qui permet la fusion des deux cerveaux pour rentrer dans l'unification. C'est ici que ça se passe. Salut. C'est le feu. Il y a des très beaux textes qui ont été écrits sur le feu igné. Ce n'est pas le feu de Shiva. Hein, C'est le feu igné de la conscience. C'est la vacuité. Être le vide. Cinquième étape. On est passé par l'air, certes. L'eau, la terre, l'air, le feu. Et on arrive à l'éther. Et on a parlé des éthers tout à l'heure pour vous donner les différents niveaux d'éther. Donc ça veut dire que nous sommes absolument tous, sans exception, en capacité d'accepter, de revenir à l'éther. Et revenir à l'éther, c'est la communion. Donc c'est encore un principe de responsabilité. Et là, on passe dans la responsabilité universelle. Mais il y a des niveaux dans la responsabilité universelle. Parce qu'il y a encore des niveaux, même dans la responsabilité universelle, qui sont encore identifiés. Prenons trois ONG existantes. Amnesty International, Greenpeace, Médecins du Monde. Qui a créé Médecins du Monde ? Un médecin. Il a poussé l'ouverture du cercle, toujours dans un rapport d'identification, mais qui est lié au collectif et à l'humanité. Amnesty International, juriste international. Il a poussé. Il a simplement étendu le cercle. Qui a créé Greenpeace ? Un rebelle post-68ard fini, extraordinaire. Il a créé son rapport à l'écologie. Mais c'est encore une identification. Donc qu'est-ce que la responsabilité universelle hors identification collective ? Nous ne sommes pas un atome isolé de l'univers. Ça n'existe pas dans l'univers, un atome isolé. Tant qu'on est dans la dissociation, on pense, on croit qu'on est en capacité de décider. La communion, c'est j'agis simplement en conscience de l'expression d'amour que j'ai pour la matérialisation, c'est tout. Je n'ai pas de décision à prendre, je n'ai pas de choix à faire. J'agis en conscience. Pourquoi aujourd'hui vous avez signé un petit document sur l'autorisation du droit à l'image ? C'est simplement pour que des milliers d'âmes puissent voir cette conférence sur YouTube et qui eux-mêmes aient la capacité de participer différemment à un état de compréhension. Donc c'est tout simplement une extension. Ce n'était pas pour vous embêter. C'est ça l'extension. C'est avoir la conscience que tout est, et pour une raison qui est derrière où l'on ne voit pas, ou qu'on n'est pas en capacité d'observer consciemment, c'est-à-dire de passer à l'observation consciente, constante. Quand je parle d'observation consciente, constante,
Ça veut dire que vous êtes en état et en capacité de voir, d'entendre et de sentir tout ce qui est, sans exception. Hop. La respiration consciente, c'est simplement revenu d'une vie de bouddhiste que j'ai eue. La mémoire vivante de tout. L'expérimentation qui a vécu, c'est revenu, mais alors avec une telle naturalité que la surprise a été absolument merveilleuse. Donc cette technique simple de fusion des deux cerveaux a été réintégrée naturellement par la transmission des archanges avec lesquels je communique à chaque instant. J'ai prodigué cet exercice pendant des séances individuelles à des centaines d'âmes qui peuvent témoigner de son efficience quotidienne et du bienfait naturel de la simple présence retrouvée en ce jour. En partage universel pour l'amour à l'humanité, à cette terre, au monde défini par ses règnes, à l'infini tout est, puisqu'un infondé de l'émanescence. Tant que les deux hémisphères du cerveau sont séparés, nous sommes dans la désunion de conscience, mécanisme inconscient qui résulte de l'incarnation, entraînant l'identification de la dualité par le système parasympathique inhibiteur. La dualité construit l'ego, qui vagabonde dans l'empathie émotionnelle réactionnelle, le bruit du mental, des pensées. Il engendre la distinction, la séparation, l'identification et la personnification et qui conduit invariablement à la peur, au jugement, à la culpabilité, donc à la soumission, à l'abandon de l'être. Qu'est-ce que la soumission à l'abandon de l'être ? La passivité. Aucune forme d'action. Je laisse la vie ou les êtres qui m'entourent, ou la famille, ou l'amant, le compagnon, peu importe, me dicter ce que j'ai à réaliser. La soumission à l'abandon de l'être. C'est-à-dire, vous ne vivez pas, vous survivez. La soumission à l'abandon de l'être est une des formes les plus difficiles qui réduit l'âme à ne pas exister. Qui a le droit, ou qui pourrait s'arroger le droit, de définir ce que vous avez à être ou à réaliser pour votre vie, vous-même. Personne d'autre. Si vous laissez un ou plusieurs êtres définir ce que vous avez à réaliser, soumission à l'abandon de l'être. La respiration consciente permet à l'âme de fusionner par le corps avec l'éther, être le vide, de vivre les événements dans leur vérité et non plus dans leur dissociation, où l'expansion de conscience se réalise au-delà de toute identification du mental, système sympathique activateur, et de rétablir le non manifesté originel. C'est le retour à l'unité, à la présence consciente. La respiration consciente est une restitution à la présence unifiée de la conscience qui consiste à fusionner les deux cerveaux qui œuvrent à la réunification de l'âme, A-M-E. L'ego est antagoniste, il s'oppose à l'éternité, la créativité, trois lettres. Le milieu. Aime-toi. Donc arrêtons l'antagonisme, c'est-à-dire la volonté de dissociation, et revenons à l'éternité, la créativité. Elle est déjà là. Elle est là. Donc, qui œuvre à la réunification de l'âme dans l'incarnation, elle permet l'expansion de la connaissance dans l'instant présent. C'est une respiration solaire, thorax, diaphragme, thymus, plexus solaire, cœur. Ah, l'ego, l'hémisphère gauche est antagoniste, il s'oppose à l'union par identification continue. Le M, aime-toi, du milieu, reconnecte les deux parties, l'élément R, ça passe par le centre, c'est l'axe. E, l'éternité. La créativité, l'hémisphère droit. L'âme, l'être, pour se réunifier, retourne à l'air pour fusionner la terre, l'eau du corps et ainsi activer les éléments feu qui précèdent à l'ouverture du troisième œil, et je parle bien de précession, et vivre la communion à l'être. C'est un exercice qui fait vivre la conscience de l'ici et du maintenant, état fixe de la présence, de la verticalité, l'expansion horizontale, incarnation en simultanéité. Parce qu'il y a l'axe horizontal, il y a l'axe vertical. On a ces deux axes en nous. On vit sur l'horizon de cette terre,
Et nous sommes aussi des êtres verticaux de conscience. Mais c'est ni l'un ni l'autre la clé. C'est les deux couplets. C'est un exercice qui fait la conscience ici maintenant. État fixe de la présence, la verticalité, l'expression horizontale, l'incarnation en simultanéité, accordant le mental sans émission, sans pensée, dans le champ zéro. L'âme apaisée vit la paix intérieure absolue. Il existe un espace que rien ne menace, que rien n'a jamais menacé et qui n'encourt aucun risque de destruction. Un espace intact, celui de l'amour qui a fondé notre être. Un hommage à Christiane Singer, que peut-être vous connaissez, qui est partie depuis un petit moment. Description et processus de l'exercice de la respiration consciente. Quelle que soit la position du corps, assis, debout, allongé, c'est rester sur l'horizon du regard, puisque nous vivons sur l'horizon de la Terre. L'horizon du regard. À chaque fois que vous regardez une âme dans les yeux, c'est bien sur l'horizon. Ouvrez grand les yeux sans lever les sourcils, en posant votre regard, vision sur un point fixe, objet, fleur, etc., toujours sur la ligne d'horizon face à soi. Inspirer par le nez, prendre, le masculin. Petite histoire. Vous êtes sur une plage. Vous observez sur l'horizon le point de fusion entre le ciel et la mer. Lorsque l'eau touche la terre, nous, il y a dissociation. La vague qui prend, qui hurle, qui gronde, qui écume, c'est le masculin, il prend. C'est pas son rôle, c'est son identification. Il n'y a pas de rôle. Puis vient l'état de la vague, l'état d'équanimité, où toute chose est égale, l'instant fixe de l'univers. C'est là. Puis vient la vague réceptive, le féminin, celle qui emporte le temps, le sable, parce que ça fait des milliers d'années qu'on crée des sabliers pour mesurer et dissocier le temps. Or, le temps n'existe pas. Ça fait des millions d'années que ces deux cerveaux ne fusionnent pas. Il y en a un qui crée, l'autre qui abandonne par la construction. C'est forcément le chaos. L'épectase. Les moines cisterciens utilisaient ce mot au XVIe siècle pour essayer de stabiliser la conscience à peu près à 15 cm au niveau du thorax. Ils appelaient ça l'épectase, le pectoral. Et cette forme de méditation épextasique leur permettait de rester en présence. C'est une technique très ancienne, l'épectasie. Donc, pas de mouvement d'épaule, vous fermez les yeux, maintenez, bloquez votre respiration, c'est l'équanimité pendant 4 secondes, puis toujours les yeux fermés, expirez, c'est l'accueil du féminin, lentement et profondément par la bouche. À la fin de l'expire, les yeux clos, maintenez, bloquez votre respiration, l'équanimité, pendant 4 secondes, puis réouvrez les yeux sur le point fixe d'observation du départ. Restez les yeux grands ouverts et fixes pendant 1 seconde et répétez le processus depuis le début. Il est essentiel de pratiquer le mouvement, on parle bien du mouvement. La vie est un perpétuel mouvement. Il y a plus d'un milliard d'événements à chaque seconde dans l'univers. Qui en a conscience ici ? Personne. C'est tellement vaste. Et pourtant, nous sommes totalement interdépendants de l'ensemble de ce milliard d'événements dans la seconde où ça se vit. Parce que des constellations implosent, des planètes. Donc, il est essentiel, si vous le souhaitez, parce qu'une fois de plus, c'est une invitation, ce n'est pas un ordre, de la vivre de façon précise et régulière, et cependant plusieurs semaines, pour l'intégrer, parce que ça ne s'intègre pas comme ça. Alors la vidéo, bah, ça va être aujourd'hui, hein, puis on va le faire ensemble, comme ça au moins ça sera du live. Autant de fois que nécessaire le matin au lever, durant la journée et le soir avant de s'endormir, bien évidemment. Puisqu'au lever, si vous faites de la respiration consciente, bah, vous êtes conscient. Et vous allez réaliser simplement ce que vous avez à réaliser dans la journée, sans avoir à essayer de définir comment vous allez le produire.
et vous serez beaucoup moins fatigué. Avant de s'endormir, cet exercice vous est transmis pour que vous puissiez rester dans le senti. Ah, le senti. Senti, ressenti. Ressenti. Empathie émotionnelle réactionnelle. Sentiment, émotion. Destitution de conscience instantanée. Médiumnité empathique. Ressenti. Senti. Médiumnité. Intuition. Sensitivité. Perceptivité. Accueil. Ne plus vivre l'empathie émotionnelle réactionnelle est la clé du retour à l'accueil. Bien à vous, puisse la conscience de vie vous guider à l'infini de l'être que vous êtes. Est-ce que vous souhaitez participer à un petit exercice de respiration consciente? Alors, sur l'horizon décalé un petit peu, vis-à-vis de l'axe de la caméra, vous regardez simplement sur l'horizon de votre regard. Si vous souhaitez me fixer, vous me fixez. Sans lever les sourcils, vous allez ouvrir les yeux. Ça, c'est l'observation consciente. En ouvrant les yeux sur le point fixe de l'horizon et en gardant les yeux ouverts, c'est le thorax qui prend. C'est-à-dire, c'est simplement le nez qui prend et c'est simplement l'air qui gonfle le thorax. Ce n'est pas une respiration lunaire, hein. Elle n'est pas yogique, hein. Elle est solaire. On reprend. On ouvre. On bloque. 1, 2, 3, 4. On ferme les yeux. 5, on expire doucement. Par la bouche. Au bout de l'expire. 1, 2, 3, 4. Vous rouvrez les yeux en observation consciente, toujours sur l'horizon du regard. On reprend. Une seconde. 1, 2, 3, 4. On ferme les yeux. 5. On rouvre les yeux en observation consciente. Une seconde. 1, 2, 3, 4, 5. On expire par la bouche. 1, 2, 3, 4. Vous ouvrez les yeux en observation consciente. On le fait encore une fois. 5. Un, deux, trois, quatre. Restez en observation consciente. Qu'est-ce que vous sentez? L'expansion. Le mental, c'est fini. C'est fini. Et là, c'est la première fois que vous le faites, et on l'a fait en 15 secondes, 20 secondes. C'est pareil, plus vous allez le faire, plus vous allez sentir simplement l'expansion de l'être que vous êtes, naturellement. Ce n'est pas une norme, hein, ce que je suis en train de vous transmettre. C'est une naturalité. Donc si vous pouvez réaliser cette expérimentation de la respiration consciente, quotidiennement, ben vous allez vous sentir différent. Parce que le mental, c'est terminé. Tout simplement. Donc je vais la refaire une fois, puisque c'est filmé, sans mots. Pour qu'elle puisse être présente.
Alors, une fois qu'on a retrouvé une partie qui a été oubliée et qu'on est revenu dans l'être, vient la déprogrammation de la parole pour retrouver le langage originel de l'âme. Qu'est-ce que le langage originel de l'âme ? L'amour. Donc il y a des mots. L'incommunication, la sphère de l'incarnation. Ça vous parle ? La communication. Le langage originel. Les ressentis. Le senti. Les souvenirs, les regrets, la mémoire vivante. Les confusions, la clarté. Avoir, être. Écouter, entendre. Combien de temps vous entendez par jour ? Combien de temps vous écoutez par jour ? Regardez, voir, ça change tout. Le travail, le fameux, l'œuvre, les constructions, la création, on parle bien les constructions, la création. L'action dans la sphère de l'incarnation. C'est agir sans conscience. L'action dans l'amour inconditionnel, c'est agir en conscience. Ça n'a pas du tout les mêmes effets. L'important, tout ce qui est important, c'est pour l'ego. C'est super important, quoi. Tout ce qui est essentiel est pour l'âme. Donc ça signifie bien une déprogrammation de la parole pour retourner dans le langage originel que nous possédons tous. Mais c'est une déprogrammation. Ça signifie oublier complètement tout ce qu'on a appris. Remettre tout à plat. L'inaction dans la sphère de l'incarnation. La soumission à l'abandon de l'être. L'inaction, le rayonnement, la présence, l'émanation. Qu'est-ce que c'est l'inaction avec la soumission à l'abandon de l'être qu'on a vu tout à l'heure? Qu'est-ce que l'inaction? Qu'est-ce que le rayonnement, la présence et l'émanation? Le Christ, l'atome germe, l'atome source, on ne parle que de lui, Lao Tzu, Confucius, il y en a eu des centaines qui sont venus et qui ont transmis un message, qui était ensuite traduit par toute la liste des disciples, que je ne cesserai de le répéter, il n'y a pas de maître, il n'y a pas d'élève, et il n'y a pas de gourou, même si le mot gourou peut être encore moins connoté en Inde, parce qu'il a une signification très particulière. Mais il n'y a pas de maître, il n'y a pas d'élève. Ça n'existe pas. Il y a simplement la conscience de l'être que vous êtes, dans la capacité d'accueillir la vie. Donc il n'y a pas de maître, on est tous là pour s'accompagner. C'est tout. Le savoir, la connaissance, le choix, les décisions, le libre arbitre, l'ego, l'âme, le charisme. Alors qu'est-ce qu'il y a dans l'amour inconditionnel à la place du charisme ? Je n'ai pas entendu. La présence. Les règles. Les normes. Eh oui. La liberté.
l'inconscient, le conscient. Les discussions, les conversations. Qu'est-ce qu'une discussion? Qu'est-ce qu'une conversation? Une discussion, ce sont deux égos qui se parlent. C'est à celui qui frappe le plus fort sur la table de ping-pong en disant « Tu vois, j'ai raison, je suis plus fort que toi. » Une conversation, ce sont deux âmes qui s'entendent. C'est un huit infini entre les plexus, échange, partage, uniquement dans le rapport du vécu, expérimenté et intégré. Ça, c'est une véritable conversation. La guerre, la paix. La dualité, c'est la guerre. Sous toutes ses formes, de la plus simple à la plus complexe, même interarmée. La morale, cette fameuse morale. L'éthique. Je vous laisse prendre les photos si vous le souhaitez. La normalité, la naturalité. Qu'est-ce que la naturalité? L'âme que vous êtes, elle est naturelle, elle n'est pas normative. Le spectateur passif, l'observateur conscient, les cadeaux, un présent. Les cadeaux, c'est... J'espère que ça va te plaire. J'espère que ça va te plaire. Je ne sais pas. Comme je ne suis pas conscient de l'être que tu es, j'ai un doute. Je t'offre un présent parce que je sens que c'est juste que ceci te revienne. C'est pas pareil. La confiance. Ne confondez plus jamais la confiance et la conscience. Plus jamais. Je vous le souhaite. Les plaisirs. La joie. Qu'est-ce que la joie? L'amour. Vécu de manière androgyne. Parce que compassionnel. Sinon, on est encore dissocié. L'égalité. Cette fameuse égalité qui, à chaque fois, met dans l'identification des personnes qu'elles sont différentes. Mais pourquoi elles sont différentes? Parce qu'elles ont des lignes quantiques atemporelles d'expérimentation différentes. Donc pourquoi préserver ce mot de rapport d'égalité? C'est-à-dire de deux choses qui sont dans l'équilibre éventuel et qui sont à peu près égales. Mais ce n'est pas l'égalité, c'est de l'équanimité et l'infini. La dualité, l'unité, les sentiments, l'amour, les mensonges, la vérité, les illusions, la réalité expérimentée. Qu'est-ce que la réalité expérimentée? Ce que vous vivez, vous pouvez témoigner de ce que vous vivez. Ça, c'est la réalité expérimentée. C'est exactement comme la personne dont je vous ai parlé, qui est sortie hors corps. Je dis, qu'est-ce que tu souhaiterais poser dans la réalité expérimentée? Est-ce que tu souhaites écrire, partager, etc.? C'est ta réalité, partage-la. C'est un partage de simplement de ce que l'on vit. Et même si on vit des choses qui ne sont pas forcément fluides, eh bien on l'exprime. C'est ça l'expression consciente, je me permets de t'indiquer que je ne vais pas bien. J'exprime. C'est ça la communication vers la communion. Parce qu'on exprime dans l'état simplement dans lequel on est. C'est tout. Que ce soit entendu ou pas, ça n'a aucune importance. J'utilise le mot important à dessein. Je témoigne de la réalité de l'être que je suis. L'enfermement. La délivrance.
Nous sommes l'univers, et l'univers est ce que nous sommes. Le cerveau n'est qu'un organe de liaison avec la mémoire du champ morphique. C'est un texte d'Abel Chaouki. Dans l'univers, chaque atome est relié à tous les autres atomes à travers la substance esprit de l'antimatière. Toute connaissance est potentiellement accessible à chaque atome de l'univers. Jean-Émile Charon, physicien et philosophe, cette théorie du biologiste Rupert Sheldrake, suggère que la nature des choses dépend de champs, des champs morphiques. Chaque type de système naturel possède son propre type de champ. Il y a un champ pour l'insuline, un champ pour le être, un champ pour l'hirondelle. Ça veut dire quoi ? Que chaque signature vibratoire est unique. Que chaque niveau de conscience par le taux vibratoire est unique, infini, multiple. Ces champs façonnent les différents types d'atomes, de molécules, de cristaux, d'organismes vivants, de sociétés, de coutumes et de modes de pensée. Ces champs morphiques et causalités formatives, qu'on pourrait traduire par les familles de conscience hors corps, ou les familles de conscience incarnées, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'on est à Bruxelles en Belgique et qu'une autre âme, dans un autre champ vibratoire, va vivre en Érythrée, dans la Corne de l'Afrique ? C'est pas un choix. Hein. C'est son principe d'expérimentation, par sa signature vibratoire. Champs morphiques et causalités formatives, ces champs sont connus de la physique, ils sont des régions d'influence non matérielle s'étendant dans l'espace et se prolongeant dans le temps. Dans un système organisé particulier, il cesse d'exister. Lorsqu'un atome est désintégré, qu'un flocon de neige fond ou qu'un animal meurt, son champ organisateur disparaît du lieu spécifique où existait ce système. La vie est un perpétuel mouvement infini et en absolue définition et indéfinition. Car tout est en potentiel, tout est en variable. Sans cesse. Mais dans un autre sens, les champs morphiques ne disparaissent pas, ce sont des schèmes, des logiciels sans support, d'influence organisateur potentiel, susceptibles de se manifester à nouveau, en d'autres temps, en d'autres lieux, partout ou à chaque fois que les conditions physiques seront appropriées. On ne parle toujours pas du choix de l'incarnation. On parle de l'appropriation du champ morphique nécessaire à l'expérimentation, ce qui n'a rien à voir avec le choix de l'incarnation. Quand c'est le cas, ils renferment une mémoire de leur existence physique antérieure, le processus par lequel le passé devient présent, au sein de champs morphiques est nommé résonance morphique. Cette résonance morphique, la résonance morphique, implique la transmission d'influences causales formatives à travers l'espace et le temps. La mémoire au sein des champs morphiques est cumulative. Qu'est-ce que ça signifie ? J'ai vécu 1047 incarnations. L'ensemble des 286 de vie sur ces 1047 incarnations dans lesquelles j'ai marqué l'humanité et les mondes extraterrestres à des niveaux de volonté même pas imaginables. Eh bien, ça se cumule. Au fil des siècles, au fil des millénaires, les fréquences sont stockées. Plus vous êtes chargé, karmiquement parlant, plus la masse des murs invisibles qui vous entourent vous étouffe et vous êtes dans un nuage d'inconnaissance totale. Parce que ce sont les murs invisibles que vous avez vous-même construits dans vos intériorités. La résonance morphique implique la transmission d'influences causales formatives, on parle bien d'un acte inconscient construit. À travers l'espace et le temps, la mémoire au sein des champs morphiques est cumulative et c'est la raison pour laquelle toutes sortes de phénomènes deviennent de plus en plus habituels par répétition, les fameux schémas comportementaux induits répétitifs. Lorsqu'une telle répétition s'est produite à une échelle astronomique sur des milliards d'années, comme ce fut le cas pour d'innombrables types d'atomes, de molécules et de cristaux, la nature des phénomènes a acquis une qualité habituelle si profonde qu'elle est effectivement immuable ou apparemment éternelle. Toutes ces réflexions sont un contraste flagrant de la chimie ou la biologie contemporaine. Les scientifiques ont en général tendance à considérer les champs connus de la physique comme gouvernés par des lois naturelles éternelles.
Or, les champs morphiques se manifestent et évoluent dans le temps et l'espace, les variables, les potentiels. Ils sont influencés par ce qui s'est réellement produit dans le monde. Pourquoi ils utilisent le mot « réel » C'est parce que c'est expérimenté, c'est vécu. C'est vous avez matérialisé la nature vibratoire, que ce soit de votre volonté ou de votre conscience. C'est imprimé dans les deux cas. Les champs morphiques sont envisagés dans un esprit évolutionniste, ce qui n'est pas le cas des champs connus de la physique, où tout au moins, si ce n'est par le cas de jusqu'à ces derniers temps, jusqu'aux années 60, les physiciens ont cru pour la plupart que l'univers était éternel. Les religions aussi. L'univers, mais aussi les propriétés de la matière et des champs, ainsi que les lois naturelles. Ces éléments avaient toujours été et seraient toujours identiques à eux-mêmes, mais on considère désormais que l'univers est né à la suite d'une explosion primitive. Je leur ai demandé d'accéder aux analyses akashiques d'avant le Big Bang. Ça m'a été refusé. Parce que je suis tellement curieux. Qu'est-ce qui fait que l'extension de l'univers est partie d'un point central et s'est expansée comme ça? Ok, ça, ok, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est avant cette compression infinie en un point tellement comprimé qui a fait que simplement il a implosé? Il n'a pas explosé, il a implosé. Ça vient de l'intérieur. Et donc, je ne suis pas encore autorisé. Je sais qu'un jour ça va venir. Et là, je sais que je vais comprendre la nature d'avant l'expansion, dont nous sommes partie intégrante. Et ça fera peut-être le sujet d'une autre conférence. Mais on considère désormais que l'univers est né à la suite d'une explosion primitive il y a quelques 15 milliards d'années et qu'il n'a cessé de croître et d'évoluer depuis lors. On parle aujourd'hui, la physique théorique est en pleine effervescence, des théories relatives aux premiers instants de la création voient le jour, plusieurs scientifiques avancent des conceptions évolutionnistes de la matière et des champs d'un type novateur. Le cosmos apparaît plus comme un organisme en pleine croissance, ce qui est déjà un changement de psyché, hein, que de comprendre que l'ensemble de l'univers est en expansion, continuelle, et que ce n'est pas maîtrisable. Et que comme une machine éternelle, dans ce contexte, des habitudes sont sans doute plus naturelles que des lois immuables. À partir de phénomènes réels mais inexplicables par les paradigmes actuels de la science, il a été élaboré une théorie complexe qui certes demande une étude approfondie pour être validée, mais qui semble prometteuse en tout cas, elle semble tenir la route. En simplifiant beaucoup, le tout est plus que la somme des parties. Qu'est-ce que ça signifie? Le tout. Nous sommes les parties d'un tout. Puisque nous sommes l'émanation de la création qui est absolument infinie, et vous êtes simplement l'infinitude de la création qui est toujours en perpétuelle évolution, incarnation après incarnation. Donc on est séparés de rien. Les champs morphiques façonneraient les atomes, les molécules, les cristaux, les organelles, les cellules, les tissus, les organes, les organismes, les sociétés, les écosystèmes, le système planétaire, le système solaire, la galaxie, etc. Bref, tout est énergie à différents niveaux, atomiques, subatomiques. Il y a même dans les niveaux subatomiques d'autres niveaux. C'est vaste. Dans cette complexité croissante, les champs morphogénétiques contiendrait une mémoire inhérente acquise par un processus de résonance morphique. À chaque fois que vous entamez une conversation, ça crée un champ de résonance morphique. Des effluves d'énergie participent. Là, si on avait, on avait la capacité d'observer les infrarouges et les gammas, on verrait là toutes les effluves qui sont en train d'être vécues, partagées, échangées, etc. C'est un autre niveau de perception. Il existe.
Dans cette complexité croissante, les chambres amphigéniques contiendraient, donc, mémoire inhérente avec un processus de résonance morphique, composant la mémoire collective de chaque espèce, idée émise par l'éminent psychologue suisse Carl Gustav Jung. Vous connaissez la fin de la vie de Jung? Certains d'entre vous ont eu connaissance de la vie de Jung à la fin de sa vie? Jung, mis à part l'expérience, il s'est séparé de Freud parce qu'il lui a dit bon, « Ok, j'ai compris, c'est bon. » Mais là, il y a une partie qui manque, donc je vais aller la chercher. Et la partie qui manque, Jung, c'est la symbolique. Qu'est-ce que le symbole? L'archétype. L'archétype, c'est l'énergie fondamentale de l'univers qui s'est transformée en une forme, les lettres hébraïques. C'est une forme. Et il y a des tas de formes qui sont issues de l'énergie de l'univers et qui se sont matérialisées sur Terre. Sauf qu'après, je vais me permettre d'utiliser ce mot, ces forces ou ces qualités vibratoires, si on ne sait pas s'en servir, si on ne sait pas les accompagner, attention. Parce que là, vous appelez des énergies que vous ne pouvez même pas accueillir et qui sont d'une telle puissance qu'elles peuvent vous dépasser très très vite. Et là, je vous dis, attention. L'amour n'est pas une puissance, l'amour n'est pas un pouvoir, et l'amour n'a pas besoin de rites. Ainsi, le cerveau, trop petit pour contenir la mémoire, n'est pas un organe de stockage, mais un organe de liaison. Une fois de plus, les annales akashiques, c'est le champ quantique informationnel. Banque de données du champ morphogénétique dans laquelle se mêlent passé, présent et futur. Mais qu'est-ce que c'est le passé, présent et futur? Ce sont des séparations temporelles. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Tout ce que l'on crée dans l'instant T est déjà la définition de ce que nous sommes déjà en train de réaliser. C'est tout. Hop, nous allons maintenant, et je vais baisser les lumières si vous me le permettez, passer à une petite série de films. Le premier qui vous est présenté, c'est justement pour vous faire comprendre à quoi correspond le fait que nous ne voyons qu'en 10 millions de couleurs et que les organes qu'on nous a transmis dans l'incarnation sont limités. Nous venons tous des étoiles. Fraunhofer nous a permis de savoir ce que renferment des atmosphères extraterrestres et des galaxies distantes de millions d'années-lumière. En plus de nous révéler la composition d'objets très éloignés, les lignes spectrales nous permettent de connaître leur mouvement relatif par rapport à nous. C'est grâce à elle que l'on sait que notre univers est en expansion. Mais la plus grande révélation de la spectroscopie, c'est peut-être la mise en évidence de ce qu'elle ne voit pas. Un univers caché fait de matière noire est 6 fois plus lourd que celui dont nous avons l'habitude. La matière qui le compose n'émet pas de lumière, n'en réfléchit pas et n'en absorbe pas. On ne sait qu'elle est là que par la force de gravité qu'elle exerce sur les galaxies, qui conduit les étoiles à tourner anormalement vite. Il y a bien plus de types de lumière que ce que nos yeux discernent. Limiter notre perception du monde à la lumière visible, c'est comme écouter de la musique sur une seule octave. Il y en a tant d'autres. Elles ne diffèrent que par leur longueur d'onde, mais elles changent tout. Par exemple, la lumière infrarouge. Celle-là même que découvrit Herschel. Ou la lumière des rayons X. Ou encore celle des ondes radio. Ou même celle des rayons gamma. Il ne s'agit pas seulement de différentes manières de voir la même chose.
Ces autres types de lumière nous révèlent de nouveaux objets et phénomènes de notre univers. Grâce à la lumière gamma, par exemple, on observe dans des galaxies lointaines de mystérieuses explosions qui passeraient inaperçues autrement. Et grâce au rayonnement micro-ondes, notre regard porte jusqu'à la naissance de l'univers. Nos yeux viennent tout juste de s'entrouvrir. Là, je pense que vous avez compris. On va mettre un petit peu d'éclairage. Je vais vous montrer une série de vidéos très différentes. Certains, là, en effet, parlent de la lumière, parlent de différentes choses, mais il y a aussi le son. Et on parle bien dans la lumière, car même dans la lumière, il y a des bandes de fréquences de son. Ça veut dire que tout est lié. Et que ce que vous allez voir par la suite, je vous le laisse et vous allez comprendre. Non. Voilà. Nous sommes un, indivisible et indivisible. Depuis toujours, l'être humain sait qu'il tient une place spéciale dans l'univers. Centre du monde, joyau de l'évolution, il a levé les yeux vers le ciel. Et puis, il s'est mis à explorer. L'homme a découvert qu'il habitait une planète parmi d'autres dans le système solaire. Un petit point bleu en rotation autour de son étoile. Une planète finalement de taille banale, orbitant autour d'une étoile plutôt blême, que les humains ont eux-mêmes classée comme une naine jaune. Une taille ridicule à côté des très nombreuses géantes et supergéantes. Prenez la grandiose Eta Carinae par exemple, une étoile 1 million de fois plus lumineuse que le Soleil. Ou bien la majestueuse Huiscuti, 5 milliards de fois plus lumineuse. L'univers foisonne d'astres plus notables que le Soleil, étincelles anonymes au pied des hiérarchies stellaires. Pour mesurer les distances immenses entre ces étoiles, l'homme a dû inventer une unité de longueur spéciale, celle parcourue pendant 1 an par une particule de lumière, 10 000 milliards de kilomètres. Une année-lumière est donc à 1 kilomètre, ce qu'un kilomètre est à la taille d'un virus. Et l'univers mesure 80 milliards d'années-lumière. Les étoiles sont incroyablement nombreuses. Une seule galaxie contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Et les galaxies elles-mêmes sont innombrables. Ce que l'on voit actuellement, ce ne sont pas des étoiles, mais des milliers de galaxies. Pour l'ensemble de l'univers visible, cela représente au total 400 sextillions d'étoiles. Un nombre tellement important que l'être humain peine à le concevoir. Pourtant, ce n'est pas si dur. Il y a autant d'étoiles dans l'univers observable que de gouttes d'eau dans tous les océans de sa planète Terre, ou de grains de sable sur toutes ses plages et ses déserts. Mais cette immensité ne représente elle-même que l'univers observable, cette zone au-delà de laquelle les télescopes humains ne peuvent voir. Une toute petite partie de l'univers réel.
mettre un peu d'éclairage. Le macrocosme et le microcosme. Un texte transmis par Angélique Uccellini. L'univers respire au rythme d'une danse continuelle d'inspiration et d'expiration. On retrouve la respiration consciente. L'homme prolonge ce mouvement respiratoire en vivant et se développant sur cette terre, régi par la cohérence cyclique des différents plans qui la composent. L'ensemble, l'espace, semble infini du point de vue humain. Le jeu de la création se pense en espace. Tant pour permettre un décor conscient polarisé d'involution et d'évolution. Dans les plans supérieurs, l'infini n'existe pas. En son sein, l'infini est un programme actuellement en expansion, planifié par la respiration de l'univers. Il s'ouvre, puis se referme, il s'étire, puis se rétracte. C'est une vibration invisible modélisée par une force intelligente, même si j'ai encore difficulté avec le mot force, et créatrice se projetant dans un jeu cosmique pré-structuré. L'univers se pense. Ainsi, l'homme crée son décor planétaire par des pensées perçues individuellement et contribuant au champ collectif lui-même, reflet des dimensions supérieures. Observez notre corps. Si vous êtes une cellule qui œuvre pour une fonction précise comme les poumons, avez-vous conscience de votre reliance à un système respiratoire plus large ? Point d'interrogation. Une reliance au corps complet ? Point d'interrogation. Une reliance à la Terre, à l'univers ? Point d'interrogation. Un ensemble bien plus vaste. Tout comme une cellule du corps, vous n'êtes pas conscient de la vastitude dans laquelle toutes les autres dimensions s'imbriquent. Si vous voulez entrer en contact direct avec l'âme de l'univers, communiquez avec vos cellules. Offrez-leur votre conscience d'être leur univers. L'évolution est en fait une respiration dans la phase inspire qui se reconnaît de plus en plus dans toutes les formes et toutes les parties qui la composent. La conscience de l'énergie d'amour est celle qui sous-tend cet univers. D'autres univers sont régis par d'autres énergies créatrices, d'autres formes motrices inconcevables pour une réalité humaine. Il existe des plans bien plus denses que notre réalité actuelle. Et ces réalités sur des plans de conscience qui sont beaucoup plus denses que les nôtres, sont elles-mêmes, ces plans sont eux-mêmes évolutifs. Pardon. Tout est donné pour l'expérience, de l'inspire pour s'élargir. S'élargir signifie entrer dans le monde qui va au-delà des sens connus du monde physique. La norme n'existe pas. Tout est question de perception et d'équilibre. Et là, je poserai les choses dans un rapport plutôt que d'équilibre, que d'équanimité, parce que l'équilibre, c'est encore deux choses qui essaient de s'assembler dans quelque chose qui ne fonctionne pas. La perception crée le décor, l'état vibratoire génère la perception. Une fois plus, on parle de la signature vibratoire qui vous permet de voir ou de regarder, tout simplement. Le décor est déjà écrit dans toutes les gammes de fréquences, c'est-à-dire que la base de chaque plan vibratoire existe par nature, mais ça ne le définit pas. Les nouvelles projections dans la matière résultent d'une conscience pensante plus vaste. Elles changent le décor terrestre et multidimensionnel à l'image de la cause. La suite. Les humains habitent une planète à leur image. Spéciale. Unique. Parfaite. La seule planète qui abrite des êtres vivants, la Terre, est une oasis de vie au milieu du grand désert cosmique. Mais est-elle vraiment si exceptionnelle? L'homme n'a en fait qu'une vision très floue de l'univers dans lequel il évolue. À son échelle, ce domaine est tellement vaste et vide qu'il l'a appelé, faute de mieux, espace. Loin d'être désert, cet espace regorge d'une multitude de planètes aussi diverses que variées.
Puisqu'il y a en moyenne une planète par étoile dans l'univers, il y a probablement plus de 100 milliards de planètes rien que dans la Voie lactée. Et autant dans chacune des centaines de milliards d'autres galaxies. Avec une telle profusion de planètes, comment la vie n'aurait-elle pu évoluer qu'une unique fois ? Même avec des probabilités d'apparition ridiculement faibles, l'univers pullule probablement de vie. D'autant que cet univers se transforme continuellement. Chaque jour, 275 millions d'étoiles, donc de planètes, naissent. Autant arrivent en fin de vie, et toutes sont en mouvement constant. L'homme ne peut même pas identifier sa propre position, qui n'est pas fixe. À commencer par l'orbite de la Terre, fonçant autour de son Soleil à une vitesse de 100 000 km/h et dont l'humain n'a même pas conscience. Pas plus qu'il ne perçoit que son système solaire entier se propulse dans sa galaxie plus rapidement encore. Et pour finir, sa galaxie, comme toutes les autres, est elle-même en mouvement. Elle se rue vers la galaxie la plus proche, Andromède, à la vitesse de 720 000 km/h. L'homme si supérieur semble bel et bien perdu dans un océan cosmique en perpétuel mouvement. Dans cet univers démesuré, affirmer qu'il n'y a pas de vie ne revient-il pas à plonger un ver dans l'océan et conclure qu'il n'abrite pas de poissons? Au final, les humains n'ont pas la moindre idée de leur place dans l'univers. Les prochaines vidéos que je vais vous proposer concernent le rapport. Je vous laisse regarder. Pour la suite de ces news, on va se pencher sur la quantité de lumière que contient l'univers. Une équipe de chercheurs a imaginé une méthode pour calculer le nombre de photons qui ont été produits dans l'entièreté de l'univers observable, et ce, depuis ses débuts. Lorsqu'on observe le ciel, on peut distinguer un rayonnement diffus qui baigne l'ensemble de l'univers dans presque toutes les longueurs d'onde. Il s'agit du fond extragalactique. Il est constitué de la lumière additionnée de toutes les étoiles et galaxies qui ont existé depuis les premiers âges de l'univers. Si l'espace est presque entièrement vide de matière, ce vide est sans cesse parcouru de photons voyageant depuis des milliards de sources différentes dans toutes les directions. Le fond extragalactique est très diffus et difficile à observer. Il est cependant intéressant d'estimer la quantité totale de photons qu'il contient. Ce fond constitue après tout une part non négligeable de la densité énergétique de l'univers. Bien entendu, le nombre dont on va parler aujourd'hui est une estimation indirecte. Personne ne s'est amusé à compter les photons de l'univers. L'équipe internationale d'astrophysiciens s'est servie de l'observatoire Fermi pour observer plus de 700 blazars. Les galaxies hébergent le plus souvent en leur centre des trous noirs supermassifs. Ces derniers libèrent des jets de particules très énergétiques. Ces jets sont parfois orientés vers la Terre, et c'est l'observation de ce phénomène qu'on appelle blazar. Les blazars émettent des rayonnements dans toutes les longueurs d'onde. Ils sont si puissants qu'on peut les détecter même lorsque leur lumière a voyagé pendant des milliards d'années. Là où les choses deviennent intéressantes, c'est que les rayons gamma émis par les blazars interagissent avec le fond extragalactique. En effet, au fur et à mesure qu'ils voyagent, les rayons gamma issus des blazars vont peu à peu être absorbés lors de collisions avec les photons du fond extragalactique. En observant un blazar situé à 1 milliard d'années-lumière par exemple, on peut mesurer quelle quantité de sa lumière a été absorbée. Ce qui permet à son tour d'estimer la densité du fond extragalactique sur le trajet. L'étude réalisée à l'aide de Fermi va encore plus loin. L'équipe de chercheurs a observé des blazars situés à une grande variété de distances. 1 milliard d'années-lumière, 2 milliards, 6 milliards, etc. Cela a permis de dresser une estimation de la quantité de photons contenus dans le fond extragalactique. Résultat des courses, 4 x 10 puissance 84 photons auraient été émis par toutes les étoiles contenues dans l'univers observable depuis sa création. Au-delà de ce nombre impressionnant, cette étude permet surtout de mieux cerner l'histoire de la formation des étoiles dans l'univers.
En effet, en comparant la lumière des blazars plus ou moins distants, l'équipe à l'origine de l'étude a pu constater quelles époques ont le plus contribué au fond extragalactique. On peut ainsi se rendre compte qu'il y a eu un pic dans la formation d'étoiles il y a 9 milliards d'années environ. Depuis, l'univers semble être de moins en moins fertile. De même, ces mesures permettent de se renseigner sur l'activité de l'univers au cours de ces tout premiers milliards d'années. Idéalement, l'équipe à l'origine de l'étude aimerait faire remonter ce type de mesures aussi près du Big Bang que possible. L'occasion de dresser une histoire complète de la formation des étoiles dans l'univers. Les vidéos suivantes vont traiter du son pour que vous puissiez comprendre. Mais avant tout, on va s'exprimer dans le rapport de la constante de la structure fine de l'univers. Est-ce que quelqu'un connaît la constante de structure fine de l'univers ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler ? Non ? Le champ harmonique de l'univers. Petite vidéo et après je partage avec vous. La constante de structure fine. Comme il est indiqué, pour revenir sur une matérialité très précise, et pour tous ceux qui ont des lacets aujourd'hui à leurs chaussures, la structure fine est la trame. La trame absolue de tous les niveaux atomiques existants. Tout ce qui est composé, tout ce qui est matérialisé ici, dans cette pièce, maintenant, est maintenu de manière cohésive par la structure fine de l'univers. C'est un niveau subatomique, mais qui fait que c'est exactement comme un tissu, si vous prenez une trame, un tissu, et que vous regardez au microscope, et que vous posez un objet dessus, ben c'est cette structure fine atomique qui maintient la cohésion de toutes les formes universelles, y compris de la cohésion atomique de toute matière construite ou créée. C'est pour prendre conscience que sans la structure fine, nous n'existerions pas en tant que corps physique. C'est la base absolue de
toute forme existante, quel que soit son niveau. Les physiciens se demandent si cette constante en est vraiment une, c'est-à-dire si sa valeur, bon, ils parlent de valeur, ne varie pas avec le temps et suivant la position. Historiquement, il fait proposer un variable pour résoudre les problèmes liés aux observations cosmologiques. Plus récemment, l'intérêt théorique lié à la variabilité des constantes, et pas seulement, a été motivé par la théorie des cordes et d'autres théories qui vont au-delà du modèle standard de la physique des particules, mais ça ne concerne pas la physique des particules. La valeur exacte de la constante de structure fine est régulièrement revue avec l'augmentation de la précision des mesures qui peuvent être réalisées. La mesure la plus précise à ce jour a été réalisée par des physiciens français du laboratoire Kassler. Selon eux, 1, 137, 0, 135. Voilà. Ce n'est qu'un chiffre. Ce n'est pas le sujet, le chiffre. C'est que rien n'existe sans cette structure fine. Rien. C'est le principe fondamental de la création, de tout ce qui est. Interaction entre lumière et matière, parce que tout est son, tout est vibration. La constante de structure fine se place à la limite entre relativité physique quantique et électromagnétisme. Et en particulier, elle caractérise la force des interactions entre lumière et matière, telle que définie par la théorie de l'électrodynamique quantique. Elle gouverne ainsi la force électromagnétique qui fonde la cohésion des atomes et des molécules en tenant les électrons entre eux, la structure. Elle intervient donc dans de très nombreux phénomènes physiques. C'est le physicien allemand Arnold Sommerfeld qui introduisit pour la première fois en 1916 l'idée de l'existence d'une constante de structure fine. C'était sa manière à lui de trouver une explication aux écarts relativistes entre les raies spectrales atomiques, telles que prédites par le modèle de Bohr. Ainsi, la première interprétation physique de cette constante la rattachait à la vitesse de l'électron sur la première orbite circulaire de l'atome de Bohr relativiste et à la vitesse de la lumière dans le vide. L'interprétation physique, la constante de structure fine étant sans dimension, intéressant, puisqu'elle est interdimensionnelle, elle ne peut pas avoir de dimension, puisqu'elle supporte toutes les dimensions. Son existence même implique l'existence d'un mécanisme sous-jacent fixant sa valeur. Et depuis les années 20, donner une explication à cette valeur a été un défi lancé à la physique moderne. Mais l'énigme reste entière à ce jour. Le monde des physiciens se divise en deux groupes, ceux qui n'osent pas relever le défi et ceux qui n'ont pas la moindre idée de comment le relever. Donc moi, j'ai demandé. Je dis, alors là, vous mettez ça sous le nez, c'est qu'il y a une raison. J'accueille, allez-y. Ils m'ont expliqué. Alors au début, ça a été un peu compliqué, hein, de pouvoir modéliser ce que peut représenter une structure qui supporte l'ensemble des dimensions comme une sorte de trame de tissu, mais qui est une vibration subatomique qui maintient la cohésion entre tous les univers. Bingo. Et là, ça ouvre des possibilités de compréhension absolument infinies. Il n'existe pas, et je le répète, un seul objet présent dans cette pièce qui ne soit pas lié à la structure fine de l'univers. Chaque robe, chaque tissu, chaque collier, chaque boucle d'oreille, chaque sac, chaque lacet de chaussure fait partie intégrante de cette structure fine. Elle est maintenue. Une explication controversée de la valeur de la constante fine fait appel au principe entropique. Elle affirme que la valeur d'E est liée au fait que cette valeur correspond à une stabilité de la matière. Si elle prenait toute autre valeur, c'est la problématique actuelle qu'ils ont, pour pouvoir la définir correctement, la matière, la vie et les êtres humains n'existeraient même pas. Par exemple, en changeant de 4% le carbone de cette structure fine, ne serait plus produit lors de la fusion stellaire. Ça changerait complètement la nature même de l'univers. Il suffit de 4%. C'est comme l'ADN hein, qui nous sépare du plan animal. C'est pareil. La structure fine agit, elle, sur un plan
stellaire, 4% de différence, et le fonctionnement de l'univers n'est plus du tout le même. Ne serait plus produit lors de la fusion stellaire, si était plus grande que 0,1, la fusion ne se produirait pas à l'intérieur des étoiles, dans le cadre de l'hypothèse d'Andrei Linde, où existerait toute une mousse d'univers avec des lois physiques différentes, nous serions simplement dans un de ceux permettant notre existence, parce que nous ne pourrions pas, par construction, être ailleurs. Tout est vibration, fréquence et polarité, à l'infini de tout ce qui est. Maintenant, je vais vous présenter tout ce qu'il y a avec le son et l'action du son sur la matière. Le fait d'avoir modifié d'un hertz à chaque fois, c'est exactement comme ce qui est expliqué sur le rapport de la structure fine. Chaque modification vibratoire a un effet direct sur l'ensemble des molécules atomiques. Vous pouvez le sentir, hein, vous êtes près d'une ligne à haute tension. Là, c'est évident que ça modifie votre structure atomique. Hein. Mais donc, une simple modification d'un hertz, à chaque fois, inverse les processus moléculaires. À chaque fois. Maintenant, je vais simplement vous partager ce que Tesla, vous connaissez tous Nikola Tesla, archange de haut niveau, qui est venu en un temps où il était envisageable, potentiel et variable, que la nature même de l'énergie puisse être libre. Ce n'était pas un choix de l'humanité, c'était une proposition. Elle a été refusée. Il n'y aurait absolument aucune guerre sur la Terre si l'ensemble des êtres qui ont financé Nikola Tesla avaient continué à le financer pour que l'énergie libre puisse être ici et maintenant.
il ne peut pas y avoir de guerre. L'énergie est libre. L'énergie est libre. Il ne peut pas y avoir de guerre. Mais des êtres en ont décidé autrement. Peu importe, c'est la réalité. Il n'y a pas de jugement. Vous savez que dans la langue des oiseaux, c'est très simple, le juge ment. Alors, le son. The film you're about to see has no characters. If you spare a little of your imagination, it is a film to describe to you the effect of cymatic frequencies on matter. Thank you.
avant que nous reprenions le chemin de nos réalités respectives et communes, j'aimerais simplement partager avec vous un film qui a été fait par Greg Byrnes, il dure 8 minutes 12, sur la beauté de l'océan. La variation infinie que chaque molécule d'eau peut créer par l'énergie et le mouvement est le reflet absolu de nos existences. Je vais vous laisser voir ces 8 minutes d'images exceptionnelles pour simplement revenir dans l'essence et partager simplement la beauté du monde tel qu'il est.
C'est la fin. Avant de, comme je l'ai dit, que nous puissions vivre nos réalités, juste un petit mot. Puissent nos cœurs vivants s'unir à l'infini de ce qui est, et ce pour l'éternité. Je vous aime, prenez soin de vous, et essayez d'accompagner tous ceux qui peuvent l'accepter, tout simplement. Belle soirée.